Et c'est l'heure de l'interview du mois avec notre invité ce soir, Emmanuel Linco. Il est professeur des universités, spécialiste de la Chine contemporaine et de la géopolitique du patrimoine. D'ailleurs, il a même écrit des bouquins dessus, hein, c'est vous dire à quel point il est calé. Par exemple, Chine, une nouvelle puissance culturelle, soft power et sharp power en 2019 chez MKF Éditions, mais aussi géopolitique du patrimoine, l'Asie d'Abu Dhabi au Japon. Bonsoir, Emmanuel Linco. Comment ça va? Soit mon cher Benjamin, ben très bien, très très bien. Wan shan hao, comme on dit en chinois. Ah bah écoute, tu parles vachement mieux chinois que moi, je crois. Écoute, Tu as ton petit café avec toi? j'ai mon petit café naturellement. Donc ce soir, les amis, nous allons aborder des sujets importants. Vous le savez, on a commencé une série sur l'histoire de la Chine. Ce que je te propose en premier lieu de faire, Emmanuel, c'est peut-être de revenir un peu sur un rappel du contexte historique de ce qu'est la Chine contemporaine aujourd'hui et de comment elle en est arrivée à là où elle est aujourd'hui, peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette Chine post-45? Ouais, je pense que c'est effectivement important parce que la Chine de l'immédiate après-guerre, finalement, sort dans le camp des vainqueurs. Et un peu comme la France, d'ailleurs, c'est alors évidemment, c'est une victoire un peu en pointillé parce que la contribution et de la France et de la Chine, finalement, ont été certes importantes, mais en même temps pas si importantes que cela, comparé évidemment à l'Union soviétique ou les États-Unis, mais la Chine d'alors, qui est dirigée par Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek en mandarin pour complexifier les choses, s'en sort plutôt bien, c'est-à-dire avec la possibilité d'intégrer le nouveau Conseil de sécurité de l'ONU. Et finalement, la Chine d'aujourd'hui en est encore l'héritière. Et donc, la Chine, d'une manière, je dirais, assez inattendue, est parmi les quatre autres grands au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, quelque part, elle sort évidemment renforcée de cette épreuve, mais pour une période assez courte malgré tout, parce que dès 1945, la Chine, avant même d'autres régions du monde, va devenir déjà un enjeu de la guerre froide naissante. Et donc, tu as deux grandes factions qui vont se disputer le pouvoir. Chiang Kai-shek, donc, qui officiellement est au pouvoir et est soutenu par les Américains d'une part, qui a d'ailleurs une marge de manœuvre assez considérable parce qu'il a pour lui évidemment l'intégration de la Chine au sein de l'ONU, il a le soutien des États-Unis et de l'armée américaine, et de l'autre côté, du bout des lèvres dans un premier temps, les communistes chinois et à leur tête Mao Zedong sont soutenus par Joseph Staline. Staline, il faut bien le rappeler, est assez ambigu vis-à-vis des Chinois et des communistes chinois en particulier. Il les redoute par-dessus tout. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent cela, sans doute une sorte d'atavisme, de méfiance des Russes à l'encontre de la Chine, qui le leur rend bien d'ailleurs. Et puis surtout, en fait, Moscou est déjà dans une situation de leader. Donc, pas question de partager évidemment le pouvoir. Et donc, depuis Moscou, on voit d'un assez mauvais œil finalement ces régimes communistes asiatiques se mettre en place. C'est pas encore le cas pour la Chine, mais en tout cas, la Chine communiste contrôle déjà tout le nord du pays. C'est déjà absolument considérable. A réussi à subtiliser tous les arsenaux laissés par l'armée japonaise défaite. Donc, bon, bah, cette armée communiste est en situation quasiment de force par rapport à l'armée concurrente, celle des nationalistes chinois et de Chiang Kai-shek. Et donc, en fait, de 45 à 49, tu as une guerre civile qui va reprendre de plus belle. Elle avait été en partie suspendue à la fin des années 30 dans une sorte de conciliation nationale entre communistes et nationalistes contre l'ennemi japonais. Et en fait, dès 1945, la guerre civile reprend de plus belle et férocement. Et cette fois-ci, les communistes passent à la phase supérieure. Jusqu'alors, ce qui les avait caractérisés dans le domaine militaire, c'était une guerre de guérilla. D'ailleurs, Mao Zedong et les communistes ont beaucoup inventé et innové dans ce domaine-là.
guerre d'intimidation psychologique, frapper l'adversaire si possible la nuit, intoxication par une propagande massive, etc. Tout ce que feront ensuite tous les leaders, pro-communistes ou pas, des pays dits du tiers-monde. Je pense au Vietnam contre la France durant la guerre dite française du Vietnam, hein, de 46 à 54, ou bien le FLN algérien également, hein, à partir de 54, qui successivement reprendront justement toutes les techniques de guérilla inventées par les communistes chinois au départ. Mais là, pour le coup, en 45, les communistes passent encore une fois à la phase supérieure, c'est-à-dire qu'ils ont pour eux, et d'une manière inédite, des blindés. Ils ont le soutien aussi de plus en plus explicite de Moscou, donc de Staline. Et donc, les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek sont très vite débordés. Il y a une bataille très, très célèbre qui équivaut grosso modo dans l'histoire des blindés à la bataille de Minsk à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre nazis et soviétiques. Ce sont des centaines de blindés qui sont engagés à la hauteur d'un affluent du fleuve bleu que l'on appelle la Rouaille. Et donc, on appelle cette bataille la bataille de la Rouaille. D'ailleurs, toutes les grandes villes chinoises, à commencer par Shanghai, ont une avenue Rouaille-Lou, hein, qui signifie donc l'avenue Rouaille, hein, en commémoration justement de cette victoire communiste qui emporte tout finalement, c'est-à-dire que Chiang Kai-shek est obligé en catimini, c'est une débâcle absolue, de quitter la Chine continentale. Alors, il va se réfugier à Taïwan, et on va y revenir parce que, évidemment, c'est aujourd'hui encore un enjeu crucial. Un Taïwan qui, finalement, a pris le large, sans mauvais jeu de mots. Et puis, chose que l'on sait moins aussi, mais qui a eu un impact important et en Birmanie et au Vietnam, alors contrôlé encore par les Français, c'est que toute une partie de cette armée défaite nationaliste se réfugie soit dans le nord du Vietnam, où elle est plutôt pas la bienvenue, hein. En tout cas les Français voient d'un assez mauvais œil ces effectifs chinois en surnombre arriver dans un territoire encore contrôlé par la France, et de même en Birmanie, où un très grand nombre d'entre eux d'ailleurs vont se convertir dans le commerce de l'héroïne. Donc tous les barons de la drogue que l'on connaît aujourd'hui encore dans le triangle d'or entre la Birmanie, le Yunnan, donc le sud de la Chine et la Thaïlande et le Laos, sont souvent des descendants de ces généraux ou officiers de l'armée nationaliste défaite, reconvertis dans les affaires, comme on dit. Bon. Et en tout cas, en 1949, eh bien, de facto, la Chine communiste a gagné, quoi. Hein. Et de mémoire de Chinois, je dirais, tout le monde retient et apprend aujourd'hui encore par cœur dans les écoles depuis 49, donc ça fait au moins depuis la quatrième génération, hein, le commencement du discours fondateur de la République populaire de Chine prononcé par Mao Tse-tung le 1er octobre 1949, qui depuis lors est célébré comme étant la fête nationale de la RPC et qui commence par ces mots « Peuple de Chine, debout, plus jamais tu ne seras un peuple d'esclaves ». Donc c'est un programme patriotique, évidemment, mais ce que les Chinois ne savent pas encore, c'est qu'ils vont être esclaves du Parti communiste chinois, et ça dure aujourd'hui encore. Voilà. C'est-à-dire que Mao Tse-tung va faire un beau copier-coller de l'Union soviétique stalinienne. Alors on y reviendra, parce que ça aussi, ça me paraît très très important. Taïwan est occupé par l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek et ne connaîtra pas avant très longtemps une démocratisation, hein, c'est-à-dire que de l'autre côté du détroit, Taïwan devient à son tour une dictature, mais une dictature blanche, comme on l'appelle. Hein. Donc tu as les dictatures rouges, donc communistes, et blanches, soutenues en l'occurrence par les États-Unis. Parce que très vite, Taïwan devient évidemment, là encore, un enjeu de la guerre froide. On regarde sur la carte, Taïwan, c'est un porte-avions naturel. Hein. C'est en plein milieu de la mer de Chine. Et au commencement ou presque de l'un des premiers grands conflits de la guerre froide, savoir la guerre de Corée,
Taïwan va s'avérer extrêmement importante d'un point de vue stratégique pour les Américains pour bombarder les positions communistes. Donc d'emblée, si tu veux, dès 1949, la ligne de fracture entre ces deux Chines, qui prévaut aujourd'hui encore, est établie. Et finalement, elle se poursuit. Il y a évidemment une sorte de symétrique, hein, entre l'apparition de ces deux Chines d'une part, et 3 ans plus tard, de l'apparition, cette fois-ci, de deux Corées, aujourd'hui encore rivales, qui, dans les deux cas, dans ces deux configurations, celle des deux Chines d'une part et des deux Corées d'autre part, reste un reliquat de la guerre froide et se poursuit aujourd'hui encore. Et alors, à partir du moment où Mao prend le pouvoir en Chine, tu nous le dis, il va faire un, tu nous dis qu'il fait un copier-coller de l'URSS. Est-ce qu'il va conserver des bonnes relations avec l'URSS ou est-ce qu'il va progressivement s'en émanciper? Ah, ça, c'est le charme des relations internationales. La réponse est dans ta question. Les deux, mon général, c'est-à-dire que d'abord, Mao Zedong, dans un premier temps, n'a pas vraiment le choix de sa relation. On le sait en amont, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont approché les communistes chinois. Et l'un d'eux, Joe Stilwell, qui était un officier très très important, il était en quelque sorte l'ambassadeur de Roosevelt auprès de la Chine nationaliste, avait dit: moi, je considère que les communistes chinois sont des gens beaucoup plus sérieux que les nationalistes, qui sont des gens totalement corrompus, qui s'en mettent plein les fouilles et qui sont des gens absolument odieux. Et c'est avéré, hein, c'est-à-dire que la famille même de Chiang Kai-shek détournait les fonds alloués par l'armée américaine pour financer la propre famille de Chiang Kai-shek. Hein. Et ça, Stilwell ne le supportait absolument pas. Il ne supportait pas que l'argent du contribuable disparaisse et que dans le même temps, des GI se fassent casser la gueule, finalement pour des résultats totalement médiocres. Donc, avant tout le monde, c'était pas très politiquement correct déjà à l'époque, bien sûr. Stilwell avait soutenu la thèse selon laquelle il fallait absolument se rapprocher des communistes. Avec une idée, je dirais, de précurseur, bien avant tout le monde, et même bien avant De Gaulle à sa manière, qui lui sera l'un des premiers occidentaux à reconnaître la RPC, hein, en 64. C'est que Stilwell dit à peu près ceci, en substance: si on se rapproche des communistes chinois, on pourra les utiliser contre les soviétiques. Et ça, c'est intelligent, parce que c'est une façon, évidemment, de diviser pour mieux régner. Mais au nom du politiquement correct, on ne veut pas l'entendre de cette voix-là à Washington, bien sûr. Et donc, Stilwell sera gentiment rappelé à Washington et terminer sa carrière militaire. Quelque part, il a été aussi le précurseur de ce que connaîtra un peu plus tard MacArthur, quand lui-même, pendant la guerre de Corée, alors qu'il menaçait la Chine communiste de bombardement nucléaire, a été gentiment rappelé de nouveau à Washington parce que ça faisait un peu désordre, quoi. Bon. Mais Stilwell avait très certainement raison avant beaucoup de gens. Et finalement, Mao Tse-tung se retrouve seul face aux Soviétiques. Donc son pays est un pays de crève-misère. Là, je vais rappeler un certain nombre de choses pour non pas faire l'apologie des réussites de la Chine depuis lors. Mais il faut bien recontextualiser les choses, c'est quand même hyper important. En 1945, la Chine sort du Second Conflit mondial avec plus de 20 millions de morts. Ça, on l'oublie, on ne le dit jamais dans les manuels d'histoire, côté français notamment. On parle toujours, et non sans raison, des victimes en Union soviétique, 20 millions aussi à peu près, hein, face à l'armée nazie. Mais le tribut de la société civile chinoise à l'effort de la Seconde Guerre mondiale a été absolument considérable. Oui, ça va même plus loin parce que moi je sais que j'ai des proches qui ne savaient pas que la Chine avait fait la Seconde Guerre mondiale. Pour eux, ils étaient vraiment hors du conflit, quoi. Ils sont jamais intervenus. Non, c'est loin d'être le cas. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale a été
en quelque sorte la lune de miel des relations sino-américaines. C'est-à-dire que, bien sûr, pour les Américains, la Chine n'est pas un front essentiel sur l'ensemble des opérations militaires, mais c'est quand même un front important parce qu'on espère ainsi prendre en tenaille, en quelque sorte, les Japonais, avec du côté chinois, donc une présence chinoise armée par les Américains face aux Japonais, et de l'autre, depuis le Pacifique, les Américains en tant que tels, bien sûr. Bon. Et donc, ces relations, évidemment, étaient plutôt bonnes, jusqu'à ce que les communistes donc, arrivent au pouvoir. Et Mao Zedong, à sa décharge, hérite d'une situation extrêmement compliquée. Donc, un pays exsangue, un pays qui, jusqu'en 1979, ça aussi, il faut le rappeler, ne compte que pour 1% des échanges économiques internationaux. 1%. Alors que la Chine, rappelons-le, sur le temps long, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est ce que nous dit Fernand Braudel, grand historien des mentalités, la Chine, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est la première puissance économique du monde. Donc, la Chine sort quasiment du néant, quoi, en 1945-1949. Et donc, vu que les Américains, pour des raisons idéologiques, ne veulent pas établir des relations diplomatiques avec la RPC, eh bien Mao Zedong est amené à se tourner, un peu malgré lui, vers Joseph Staline, et quémander par là même une aide financière et matérielle, qui va se concrétiser pendant près de 10 ans par des réalisations communes dans le domaine des infrastructures, y compris dans un domaine très sensible, celui du transfert de technologie nucléaire. Et on sait que la bombe chinoise a été conçue à la fois par un inventeur qui avait été l'élève du couple Joliot-Curie à Paris dans les années 20, hein, donc il y a une histoire française du nucléaire chinois d'une part, et d'autre part parce que les Soviétiques ont transféré quand même de la très haute technologie dans ce domaine-là aussi. Donc pendant 10 ans, les relations sont au beau fixe, on coopère de part et d'autre, la Chine est la bonne élève de l'Union soviétique, et quand je te disais tout à l'heure que Mao Zedong fait un copier-coller, c'est-à-dire donc que c'est la réplique d'un système totalitaire qui se met en place. Alors on a une grande politologue, Anna Arendt, qui a défini ce qu'est un système totalitaire, qu'il soit communiste ou nazi d'ailleurs. Son premier critère, c'est de confondre systématiquement les structures d'un État et l'existence d'un parti unique. Et de ce point de vue-là, la Chine de Xi Jinping, l'actuel dirigeant, reste un État totalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multipartisme en Chine. Et ça, c'est un héritage, évidemment, de la période maoïste. Et le corollaire de cela, c'est évidemment une interdiction totale pour les libertés individuelles d'être reconnues et de s'exprimer. Et donc, la Chine va là aussi imiter le système concentrationnaire de l'Union soviétique par la création de camps d'internement, l'équivalent du goulag, en quelque sorte, qui sont des camps de rééducation que l'on appelle aujourd'hui encore les laogai, puisque ces laogai, dans les faits, existent aujourd'hui encore. On le sait, la minorité musulmane ouïghour en fait les frais, hein. Près d'1 million de Ouïghours sont incarcérés, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a toutes sortes de dissidents, d'obédience religieuse ou pas du tout, qui sont enfermés encore aujourd'hui dans ces camps. Et dernier critère qui me paraît important, évidemment, pour caractériser un système totalitaire, et de ce point de vue-là, la Chine, évidemment, a sensiblement changé, même si malheureusement elle pourrait y retourner, c'est la fermeture totale du pays. En tout cas, une relation évidemment privilégiée et contrainte vis-à-vis de l'Union soviétique dans un premier temps, mais par rapport au reste du monde, évidemment, le pays est claquemuré. Hein, et ça, c'est la caractéristique de n'importe quel système totalitaire. Et pour répondre enfin à ta question, donc, à partir de 1960, eh bien, les relations entre Moscou et Pékin sont en train de se gâter. Alors, pourquoi se gâtent-elles? Eh bien, parce que Moscou connaît déjà un changement, non pas de régime, mais en tout cas de dirigeant. Staline est mort quelques années plus tôt, en mars 1953.
Son successeur, Khrouchtchev, est plutôt, je dirais, arrangeant vis-à-vis des Américains. Et ça déplaît fortement à Mao Tse-tung, qui est, lui, polarisé sur une ligne dure. On ne collabore pas avec les capitalistes. Mais c'est surtout parce que, en fait, Mao Tse-tung craint par-dessus tout que Moscou, à terme, ne lâche la Chine communiste. Ce qui, de toute façon, va se faire. Et cette rupture tant redoutée survient dès l'année 1960. Et là, ça va être de nouveau une catastrophe pour la Chine, parce que la Chine va se retrouver de nouveau encore plus isolée, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan économique, bien sûr. Et chose que l'on sait moins d'une manière générale, les communistes entre eux vont se faire la guerre. Dans des conflits périphériques. Alors, ça va être tout d'abord le conflit entre la Chine et l'Inde, cette dernière étant soutenue par Moscou en 1962. Et c'est un conflit que l'Inde va perdre contre la Chine, avec un territoire assez important que la Chine occupe depuis lors dans la région de l'Himalaya, dans le prolongement du Tibet, que l'on appelle l'Aksai Chin. Et puis l'autre grande série de conflits qui va durer dans les faits jusque dans les années 80, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin de la guerre froide, qui oppose Moscou et Pékin, c'est l'Asie du Sud-Est, avec les pro-soviétiques que sont les Vietnamiens et les pro-chinois que sont les Cambodgiens. Et les uns et les autres vont d'une manière assez récurrente entrer en conflit. Alors les internationalistes, d'une manière générale, emploient un jargon qui est un peu à la mode. Ils nous parlent souvent de conflits de basse intensité. Bon, c'est assez pudique. En réalité, il y a parfois des millions de morts, hein. C'est-à-dire qu'on le sait bien, le génocide au Cambodge a fait au moins 3 millions de morts. Et les Chinois ont leur part de responsabilité dans ce génocide. Hein. Donc, voilà, pour résumer à grands traits l'évolution de ce régime communiste durant les années Mao. Mao donc est au pouvoir de 49 jusqu'à sa mort en 1976. Et après, comme tu le sais, la Chine va connaître une embellie assez extraordinaire et quelque chose qui a complètement dérouté, évidemment, tous les préjugés que l'on pouvait avoir concernant l'évolution même de ce type de régime, c'est-à-dire la possible conciliation entre communisme et libéralisme économique. Et donc la Chine est devenue la superpuissance économique que l'on sait, tout en conservant et tout en restant acquise à l'idéologie marxiste-léniniste. Et justement, alors avant d'embringuer peut-être sur cette hégémonie culturelle qu'ils essayent d'avoir, est-ce qu'on peut revenir assez rapidement sur quelques concepts, je pense, qui sont intéressants de développer pour comprendre un petit peu tout ça, à savoir dans cette histoire contemporaine de la Chine, le grand bond en avant, la révolution culturelle, ce que la mort de Mao a impliqué, tout ça quoi, jusqu'en 79. Ouais, c'est hyper important. Et en même temps, pour prendre un peu de champ par rapport à tout cela, il faut rappeler qu'il y a non pas des lois historiques, mais les régimes dictatoriaux et totalitaires en particulier répondent souvent au même ressort. Je m'explique. Il faut, pour que ce régime se survive à lui-même, il faut organiser à la fois en interne et en externe le chaos. Donc en fait, toutes les crises déjà que tu as préévoquées et sur lesquelles je vais revenir très rapidement sont d'une manière directe ou indirecte organisées par Mao Zedong lui-même. Et ça, c'est une constante pour actualiser mon propos parce que c'est déjà quelque part les épisodes que tu as énumérés de l'histoire ancienne, hein, même si ça ne remonte qu'à quelques décennies en définitive. Mais prends par exemple la Corée du Nord. La Corée du Nord à la fin des années 90. On a souvent argué côté occidental que le régime était aux abois parce que les gens crevaient de faim, etc. Mais c'est le dirigeant de l'époque, Kim Jong-il, qui a organisé, on le sait aujourd'hui, sciemment cette famine
pour affaiblir justement la population et réduire à néant toute forme de contestation politique. L'autre exemple tout à fait symptomatique de ce point de vue-là, alors c'est vraiment un cas d'école, ce sont les grandes famines organisées, là encore sciemment, alors sans doute pour des raisons aussi racistes, hein, profondément racistes, par Staline lui-même contre l'Ukraine en 1934. Hein, donc il y a plusieurs millions de personnes qui sont décimées, et Staline le fait sciemment, précisément, pour annihiler toute forme de contestation. Bon. Et donc, quelque part, la Chine, de ce point de vue-là, n'est pas une singularité, hein, c'est-à-dire qu'elle répond, encore une fois, au même mécanisme. Et il s'agit à la fois d'organiser le chaos en interne, donc pour affaiblir la contestation, mais cela se traduit aussi par la désignation systématique d'un ennemi. Et ça, c'est la caractéristique première d'un régime totalitaire, quel qu'il soit. Alors ensuite, on peut nuancer, et on doit évidemment nuancer son propos. Dans le régime nazi, comme tu sais, l'ennemi est un ennemi de race. Hein. Donc, tu es juif, de surcroît communiste, bon, eh bien, tu es un microbe, il faut t'annihiler totalement, quoi. Bon. Dans la vision nazie, Chapoutot, qui est le grand spécialiste de l'histoire nazie et des doctrines nazies, a très bien analysé cela. Penser en Asie, hein, c'est l'un de ses ouvrages qui est tout à fait fascinant et qui montre bien que cela correspond à une forme de rationalité. Ça peut paraître tout à fait étrange, mais ça répond à une forme de rationalité. Bon. Oui, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Christian Ingrao. Tu vois. Et puis, dans les contextes communistes, ce n'est pas tant l'ennemi de race, encore que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attitude de Staline vis-à-vis des Ukrainiens, voire vis-à-vis des Tchétchènes ou d'autres peuples, tente à vouloir faire à croire qu'il y avait aussi un projet racialisant, hein, je dirais. Mais fondamentalement, le critère qui est retenu est un critère de classe. Alors, ça va très loin dans le délire. Par exemple, chez les Khmers rouges, donc lorsque les communistes cambodgiens, avec le soutien des Chinois, s'emparent du pouvoir en 1975, eh bien, il suffit que tu portes une paire de lunettes pour être considéré comme un intellectuel. Et donc, si tu es un intellectuel, tu es un bourgeois. Et si tu es un bourgeois, tu as de l'argent. Et donc, si tu as de l'argent, tu es corrompu par l'Occident. Donc, tu es un ennemi de classe. Donc, nous allons t'éliminer. Et évidemment, on élimine d'une manière artisanale, parce qu'on n'a pas les moyens de l'Allemagne nazie, donc on n'a pas de four crématoire, de chambre à gaz, etc. Donc, on massacre à la machette. Et la Chine communiste, évidemment, souscrit, puisque souscrit au marxisme-léninisme, elle souscrit à cette conception de l'ennemi de classe aussi. Alors, ça va donner lieu à quoi ? Toutes les purges récurrentes que tu as mentionnées, le mouvement des sans-fleurs, 56-57, avec la déportation massive des premiers intellectuels et artistes. Hein. Et donc là, on a encore une fois une caractéristique d'un régime totalitaire, c'est-à-dire que au sein même du régime, le despote finit seul, en définitive. Donc, au sein même du régime, il n'y a plus de contre-pouvoir possible. Donc, il n'y a plus de contradiction. Donc, il est seul dans son délire pour aller encore plus loin dans le délire. Et l'autre délire, et la deuxième phase du maoïsme le plus intégral, c'est le grand bond en avant. Alors, le grand bond en avant, c'est un exemple, je dirais, assez extraordinaire de ce qu'est un régime totalitaire dans sa phase la plus extrême. Pour le dire à nos internautes et amis, en 58, donc déjà là aussi on recontextualise les choses, c'est 2 ans avant la rupture avec Moscou, donc Mao Tse-tung commence à prendre peur, parce qu'il sait, il est informé, que le bloc soviétique est en pleine ébullition, il y a eu l'insurrection hongroise quelques années plus tôt, en 56, etc. Donc, le système communiste est déjà un peu ébranlé. Et donc, Mao Tse-tung craint par-dessus tout, encore une fois, une rupture avec l'Union soviétique, ce qui serait absolument désastreux pour l'économie chinoise. Et donc, c'est là où l'on voit
quelque chose de fondamental dans tout système totalitaire. Un système totalitaire a pour moteur premier l'utopie. L'utopie, ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on est absolument convaincu de la nécessité de réaliser des choses qui n'existent pas encore, mais qui correspondent évidemment à un projet de société. Voilà. Alors, c'est tout à fait intéressant et encore une fois récurrent dans tous les systèmes totalitaires. Au niveau stratégique, c'est par exemple Adolf Hitler qui, contre l'avis de tous ses généraux, qui lui dit surtout ne pas envahir l'Union soviétique ou faire la paix avec la Grande-Bretagne, bah, il va. Et il y va, pourquoi ? Parce que le délire nazi, c'est de dire que plus on va à l'est de l'Europe, plus c'est une poubelle, plus il y a des Untermenschen, donc des sous-hommes, hein, je traduis, et donc il faut les éliminer, et donc il faut les envahir. Bon. Ça, c'est le délire le plus utopique, justement. Et pour venir à la Chine, en 1958, Mao Tse-tung, craignant justement qu'on lui coupe les vivres depuis Moscou, décide de lancer ce que l'on a appelé le grand bond en avant. C'est quoi ? Eh bien, imagine... toi et moi, dans nos maisons respectives, nous sortons de nos maisons, il y a plusieurs habitants autour de nous, et ordre est donné à l'ensemble de ces habitants par le Parti communiste d'édifier ce que l'on a appelé des petits hauts fourneaux. C'est-à-dire que dans ces petits hauts fourneaux faits de briques, on va faire fondre, par n'importe quel moyen, tous les objets en fer qui nous entourent. Donc, les casseroles de cuisine, etc., les barreaux de chaise, tout va y passer. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Pour fabriquer les futures tuyauteries des futures usines de la société socialiste idéale de demain. Et donc, on a à l'époque 600 millions de Chinois, comme disait Dutronc, n'est-ce pas, dans sa chanson, qui sont amenés à adhérer de toute façon à ce projet. Et ils n'ont pas d'autre choix que de le faire, parce que sinon, c'est une balle dans la tête. Hein, et parce que toute la Chine est structurée en unité de production, donc tu ne peux pas y échapper. Alors, non seulement, évidemment, c'est une aberration totale sur le plan économique, parce que l'acier qui est fabriqué dans ces petits hauts fourneaux ne vaut rien, évidemment. De surcroît, toutes les forêts primaires, la Chine était un pays absolument magnifique. Quand tu vois les photographies au début du XXe siècle de toutes les forêts primaires de la Chine, y compris dans le Nord, toutes celles-ci, évidemment, ont disparu en l'espace de 2 ans, parce qu'on a déboisé. On s'étonne aujourd'hui, après la COP21, on dit « Oh là là, c'est catastrophique, la Chine est confrontée à un problème écologique inédit, etc. » Mais non, pas du tout. Si le désert de Gobi, par exemple, avance jusqu'aux portes de Pékin, c'est parce que Mao Tse-tung a coupé les forêts qui faisaient barrage. Hein, je veux dire, c'est pas un mystère, quoi. Bon. Surtout, la catastrophe, évidemment, c'est que comme nous sommes dans une société totalement enrégimentée, et que tu ne peux pas de toute façon échapper à ce système, y compris d'un point de vue de la production, eh bien, toutes les récoltes de l'été 1958, et d'après d'ailleurs, ont pourri sur pied. Donc, bilan de l'opération, 40 millions de morts. C'est la plus grande catastrophe humanitaire de l'histoire du XXe siècle. Yang Tisheng, grand historien chinois, a publié d'ailleurs aux éditions du Seuil, un livre à ce sujet qui, en français, qui s'intitule « Stèles comme des pierres tombales » et qui démontre justement ces dizaines de millions de morts, près de 40 millions de morts. C'est une gabegie absolument énorme. Et comme Mao Tse-tung est évidemment tout de même mis à l'index par certains de ses vieux camarades et compagnons de route qui lui disent « mais on va dans le mur, il faut absolument arrêter, etc. », celui-ci, en bon vieux renard et stratège qu'il a toujours été, se met en retrait. Et en fait, il se met en retrait pour préparer son retour. Et son retour, ça sera la révolution culturelle. Et là, de nouveau, chaos sciemment organisé. Mais alors cette fois-ci, on mobilise la jeunesse qui lui est acquise parce que le mythe de Mao, y compris en Occident et en France tout particulièrement, a fait énormément d'émules. Et donc, on a des dizaines de millions de jeunes Chinois, souvent des lycéens ou des collégiens,
qui sont envoyés à travers la campagne pour porter la bonne parole du maoïsme intégral, etc. Mais le paradoxe, c'est qu'il va y avoir un retournement de situation. On n'a pas le temps, malheureusement, d'approfondir, mais en fait, au contact, justement, du monde rural, ces jeunes citadins déportés par Mao Tse-tung vont découvrir une toute autre réalité que celle qui était exalté par la propagande maoïste d'alors, c'est-à-dire un pays misérable, des gens qui sortaient d'une famine absolue, etc. Donc, paradoxalement, la révolution culturelle aura vacciné les plus intégristes des maoïstes en Chine. Hein. Et donc, toutes ces séquences ont été, encore une fois, très certainement organisées par Mao Tse-tung lui-même. En tout cas, le résultat est là pour que celui-ci finisse jusqu'à la fin de sa vie de se maintenir au pouvoir. Et donc, là encore, c'est pratiquement une loi historique. Pendant près de 3 ans, il y a un flottement au niveau du pouvoir qui est posé à l'issue justement de sa succession, hein, qui va lui succéder, et l'homme fort qui va s'imposer est le dénommé Deng Xiaoping, qui est considéré comme le deuxième homme politique de la fin du XXe siècle le plus important après Mao Tse-tung, celui qui précisément va concilier a priori l'inconciliable, c'est-à-dire communisme et libéralisme économique. Et le résultat, c'est une croissance inédite dans l'histoire de l'humanité, une croissance à 2 chiffres chaque année. Alors évidemment, comme on part de presque 0, c'est pas si compliqué, mais quand même, on a certaines villes du littoral qui au départ étaient des villages de pêcheurs, hein, près de Hong Kong, hein, c'était des bleds innommables, loin de tout, etc., tels que Shenzhen, par exemple, à côté de Hong Kong, qui aujourd'hui fait plus de 17 millions d'habitants, et c'est la ville de la high-tech en Chine, quoi. C'est à l'embouchure de la rivière des Perles, tout le monde est hyper connecté. Bon, voilà, c'est ça aussi le résultat de cette Chine communiste. Et au niveau des chiffres, et cela allait m'échapper, rappelez que quand les communistes arrivent au pouvoir, donc en 1949, l'espérance de vie en Chine, pour un homme, est de 35 ans. Pour une femme, c'est 37 ans. Voilà. On est vieux à 37 ans, en 1949. Hein. L'espérance de vie atteint aujourd'hui l'espérance de vie des pays développés, etc. Bon. Et de même, d'un point de vue de l'éducation, en 45-49, 95% de la population est illettrée, ne sait pas lire un texte, ne sait pas compter. Voilà, et donc là, on voit qu'incontestablement, cette institutionnalisation de l'éducation, l'éducation rendue obligatoire, etc., bref, un véritable volontarisme social, a sorti quand même la majorité des Chinois de la mouise, il faut le dire. Et de ce point de vue-là, si l'on compare la Chine à l'Inde, c'est vrai que le différentiel est assez abyssal, hein. On a aujourd'hui encore en Inde près de 350 millions d'Indiens illettrés. La Chine sait lire à 95%. Et ça, on y est parvenu en quelques décennies. Et là encore, sur le modèle soviétique, c'est-à-dire sur un modèle volontariste social fort, bien sûr. Et alors donc, à partir de 79, notamment, il y a un grand boom de cette croissance. L'URSS, par la suite, va commencer à flancher. La Chine devient deuxième puissance économique mondiale. Aujourd'hui, l'usine, enfin, la Chine, c'est l'usine du monde, quoi, un petit peu. En plus d'être à la pointe des nouvelles techno, d'investir massivement dans la recherche, de se lancer dans la course à l'espace, on a l'impression que les Chinois sont absolument partout. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être développer ces notions qui te sont chères, à savoir le soft power et le sharp power aussi, pour nous parler
de cette conquête du monde par la Chine? Alors là aussi, en bons historiens que nous sommes, il faut toujours recontextualiser l'atelier du monde, certes, oui, jusqu'au début des années 2000, mais les choses ont considérablement changé depuis. Tous les industriels te le diront. Aujourd'hui, un ingénieur chinois gagne pratiquement autant qu'un ingénieur français. Et un ouvrier chinois devient emmerdant parce qu'il est de plus en plus cher. Voilà. Et ça, il faut le rappeler aussi parce que le développement économique de la Chine s'est fait avec la complaisance des Occidentaux. Le transfert de technologie, le fait que dès les années 80, on se soit dit à Paris, à Washington, à Bonn, etc. Tiens, de l'autre côté de la Terre, il y a une main-d'œuvre servile, vraiment pas chère. En plus de ça, elle n'est pas syndiquée. Elle est sous la férule du Parti communiste chinois. Banco, les gars, on y va. On y va. Bon, le capitalisme international, c'est ça, hein. Et les Chinois, évidemment, on souscrit pleinement à ce système. Et désormais, la Chine épouse la même tendance de fond que les Occidentaux il y a 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont en train de délocaliser. Parce que le prolo chinois coûte trop cher. Et en plus de ça, il est de plus en plus vindicatif. Donc non, ça ne va pas. Non. Donc on transfère les usines en Birmanie. En Birmanie, ça ne t'a pas échappé. Là même où il y a des troubles. Et là même où les Birmans, précisément, s'en sont pris à des usines chinoises. Hein? On délocalise aussi massivement en Afrique subsaharienne. Et si possible, relativement près de la Chine à l'échelle de la géographie globale, c'est-à-dire à l'est de l'Afrique, et notamment en Éthiopie. Parce que c'est pas cher. Et puis parce qu'on peut exporter plus facilement. Donc, c'est plus du tout l'atelier du monde, précisément. La Chine coûte trop cher. Et ça, c'est un enjeu majeur aussi sur le plan politique pour l'actuel dirigeant Xi Jinping. C'est-à-dire, comment je fais avec des gens qui me coûtent cher, de plus en plus cher, qui de surcroît n'ont pas de système de sécurité sociale et qui ont un système de santé qui flanche. Parce que la propagande chinoise a beau dire tout ce qu'elle voudra, la Covid-19, eh bien, les Chinois n'ont pas su si bien la maîtriser que cela. On pourra y revenir d'ailleurs. D'ailleurs, il y a aujourd'hui encore des foyers de pandémie en Chine même, que ce soit dans la province de l'Anhui ou que ce soit dans la province du Liaoning. Donc, ça montre bien justement qu'aujourd'hui, la Chine est à un tournant. Et c'est vrai qu'elle est partout dans tous les domaines, ça, c'est tout à fait évident. Ça s'est fait encore une fois avec le soutien massif des Occidentaux. Rappelez là encore que les Américains ont reconduit la clause de la nation la plus favorisée pendant des années, et ce, en dépit de Tiananmen aussi. C'est-à-dire qu'on s'était dit, c'était une sorte de croyance néolibérale, que les Américains, et pas seulement les Américains, les Occidentaux en général, ont eu jusqu'à l'année dernière. Finalement, la Covid a permis de dessiller le regard que l'on avait sur l'état du monde et sur celui de la Chine en particulier, croyance selon laquelle vous vous développez sur le plan économique, donc vous allez devenir de bons démocrates. Voilà. Hein, il y avait une sorte de postulat comme ça. C'est la pensée du FMI. Hein. Vous vous développez et ensuite on vous démocratise. Eh bien non, ça marche pas comme ça. Et la Chine prouve depuis maintenant 50 ans qu'elle fait même le contraire et qu'elle en est plutôt fière. C'est une dictature assumée et nous sommes des dictateurs pour le bien commun. Voilà. Alors ça, évidemment, tous les potentats africains et autres y souscrivent pleinement parce qu'ils sont confortés, évidemment, dans leur choix de gouvernance. Néanmoins, ça pose aujourd'hui clairement un problème et ta question est tout à fait pertinente parce qu'elle me permet de rebondir justement sur l'actualité la plus brûlante, je dirais. Les conséquences de la Covid, parce que cela est en train de changer complètement l'état du monde en définitive. Déjà, c'est, je crois, non pas la fin de la globalisation. Il y aura encore des échanges économiques d'importance d'une région à l'autre du monde, c'est évident. Mais les Occidentaux l'ont compris et à leurs dépens, évidemment,
c'est que nous étions dans un système de trop grande dépendance, trop grande interdépendance. Tu t'en souviens, il y a encore un an, nous n'avions plus de masque. Il faut savoir que 80% du paracétamol mondial, le Doliprane, le fameux Doliprane, est fabriqué en Chine. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient quand on est dans une situation aussi précaire? Finalement, on est devenu les prolétaires de la Chine, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, on dépend des largesses de la Chine, et si celle-ci ferme les robinets, bon, ben, c'est fini, c'en est fini pour nous. Bon. Et ça, on l'a bien compris, à tel point que tu l'auras remarqué comme moi, il y a plus d'un an, tu parlais de souveraineté économique, politique, etc. Alors là, tu passais pour le rétrograde le plus accompli. Non, l'avenir était au développement des échanges tous azimuts, etc. Maintenant, tu l'auras remarqué, tous les candidats à la présidentielle française, à commencer par Macron, n'ont que ce mot à la bouche, souveraineté, souveraineté, souveraineté. Bon. Donc ça a changé complètement la donne, hein, cette pandémie. Ce qu'il faut savoir aussi, et les informations d'une manière générale sont assez opaques lorsqu'elles proviennent de la Chine, et pour cause, c'est un système évidemment dictatorial, donc il faut toujours prendre avec beaucoup de recul et de critique nécessaire toutes les statistiques qui nous sont communiquées. Il y a encore quelques semaines, je me souviens, tous les journalistes des Échos et autres disaient, ça y est, la croissance repart en Chine et les Chinois ont gagné, ce sont les premiers qui redémarrent. Et moi, à chaque fois que j'étais interviewé sur des plateaux de radio, etc., je disais, mais attendez, la croissance pour qui? Si tant est qu'elle existe. La croissance pour qui? Certainement pas pour le prolo chinois. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même près de 500 millions de Chinois qui vivent avec 140 dollars de revenus mensuels. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin du seuil de pauvreté. Donc ce n'est pas un modèle si performant que cela. Et surtout, la COVID-19, non seulement a fait des dégâts effroyables partout dans le monde, y compris évidemment sur le plan économique, mais aussi en Chine. C'est-à-dire qu'on a tout un maillage de PME, alors ça va du salon de coiffure, au resto du coin, etc., qui ont fermé. Dans un pays, rappelons-le, c'est pas la France, hein, il faut remettre les pendules à l'heure, hein, la France est quand même un pays de ce point de vue-là où l'État-providence fonctionne, hein, on n'est pas du tout dans un État ultralibéral, contrairement à ce qu'on peut nous dire, hein. C'est-à-dire que lorsque les entrepreneurs français ont eu besoin de l'aide de l'État, ils l'ont obtenue d'une manière générale. En Chine, c'est que dalle. C'est que dalle. Donc ça pose des problèmes, c'est-à-dire qu'on a toute une population sinistrée, et donc le risque d'un point de vue politique, voire d'un point de vue stratégique, hein, voilà, la Chine d'aujourd'hui me fait beaucoup penser au Japon des années 30. C'est de rechercher un exutoire. Donc on n'a pas de solution en interne, donc on va faire la guerre. Alors la guerre, elle existe de fait, hein, déjà, et depuis longtemps, c'est la guerre économique. Mais de ce point de vue-là, la Chine n'est plus forcément en première position, hein. C'est-à-dire que tous les microprocesseurs de nouvelle génération ne sont pas fabriqués en Chine, ils sont fabriqués sur la périphérie de la Chine, justement, dans des pays tels que la Corée du Sud ou Taïwan, alliés bien sûr des États-Unis, dont la Chine a besoin. Et donc, bon, là, il y a péril en la demeure, hein, pour l'économie chinoise de ce point de vue-là. Et l'autre degré de vulnérabilité, qui est encore plus prosaïque, mais on a tendance à l'oublier, c'est le problème de la sécurité alimentaire en Chine. C'est-à-dire que ben, la Chine importe massivement des denrées agricoles, hein, elle n'est pas autosuffisante. Donc, paradoxalement, des pays comme la France pourraient s'en sortir conditionnels beaucoup mieux, en tout cas d'un point de vue de l'autosuffisance alimentaire, qu'un pays comme la Chine, qui, du fait même de la globalisation, est extrêmement vulnérable et très dépendant de l'extérieur. Hein. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. En revanche, pour répondre autrement encore à ta question,
On se dit toujours, bon, la guerre froide n'est pas totalement terminée, elle reprend même de plus belle dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et finalement la Chine endosserait le rôle de l'ex-Union soviétique, hein, c'est un peu ça. Bon. Alors oui et non, parce qu'en l'occurrence la Chine s'est rapprochée, tu le sais bien, stratégiquement de la Russie précisément, donc il y a là une sorte de duopole. Et de partage d'ailleurs des rôles. Hein. La Russie est une puissance pauvre, c'est le PIB de l'Italie. En revanche, c'est une puissance militaire tout à fait conséquente, que n'est pas encore la Chine précisément. Donc il y a une coopération de fait entre les deux pays. Et surtout, la configuration au niveau mondial n'a rien à voir évidemment avec les années de la guerre froide telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire qu'on avait littéralement deux blocs. Et deux blocs finalement totalement autonomes l'un vis-à-vis de l'autre. Il y avait bien peu d'entrepreneurs français, par exemple, qui investissaient en Russie soviétique. Et la réciproque était tout aussi vraie. Depuis 40 ans, évidemment, les choses sont très différentes de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a de facto une interdépendance très grande. Donc, quand un Emmanuel Macron nous dit souveraineté, souveraineté, bah, oui, mais ça va prendre du temps. Parce que on a parlé en pleine Covid de découplage industriel, c'est-à-dire on se retire, hein, des Chinois, ils nous emmerdent, c'est trop dangereux, etc. Sauf que ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc ça pose des problèmes, et ça pose des problèmes pour tout le monde. Et en même temps, alors je pense que ça, il faut vraiment le dire, parce que l'autre tarte à la crème qu'on nous sert. Depuis des années, c'est de dire, oh ben vous savez, avec ces échanges économiques, de toute façon, il ne peut pas y avoir la guerre. Hein, ça, c'est le grand postulat néolibéral aussi. Hein. On vous dit, vous savez, la paix sociale est achetée justement par le développement économique. Mais non, pas du tout. Parole d'historien, en 1913, jamais il n'y eut autant d'échanges économiques entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et quelques mois plus tard, il y avait la guerre. Bon. Alors, les risques de guerre sont très réels, hein. C'est-à-dire que depuis Paris, bon, d'une manière générale, et depuis trop longtemps d'ailleurs, les Français sont un peu des bisounours, hein, donc ils voient pas très bien ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Mais il faut bien imaginer que les tensions sont extrêmement fortes en Extrême-Orient, au moment même où je parle. Et le point de cristallisation de toutes ces tensions, cristallisation des tensions à la fois économiques et évidemment stratégiques entre la Chine et les États-Unis, c'est Taïwan. Et si, alors je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais si Troisième Guerre mondiale il y a, ça commencera vraisemblablement à partir de Taïwan. Donc ce différentiel précisément entre les deux Chines, qui est un vieux problème, comme on l'a dit, qui remonte au moins à 1949, hein, peut avoir des conséquences absolument dramatiques dans les jours, dans les mois à venir. Et alors dans ce cadre-là, comment la Chine, parce qu'on l'a vu, elle se développe économiquement toujours, même si tu nous l'as dit, elle a peut-être un peu perdu de son hégémonie en étant dépendante aussi des pays aux alentours, mais culturellement, comment est-ce qu'elle a évolué cette Chine-là? Comment est-ce qu'elle essaye de s'exporter? Et effectivement, tu fais bien de me relancer parce que je n'avais pas répondu à ce point-là. Alors, on parle souvent de soft power, comme tu le sais, pour désigner justement toute forme de diplomatie culturelle. Et la diplomatie culturelle s'adresse évidemment à un pays étranger, hein, par définition. Il faut rappeler là aussi l'origine de cette expression. On la doit à un politiste américain, un universitaire, le dénommé Joseph Nye, Nye, qui a longtemps enseigné à Harvard. Et comme souvent dans l'histoire des grandes universités américaines dans le domaine des relations internationales, Joseph Nye a été l'un des conseillers aussi de la Maison-Blanche. Et Nye, juste après la guerre froide, justifie à sa manière, alors d'une manière un peu plus fine qu'un certain nombre de néolibéraux précisément qui avaient à l'époque le vent en poupe, et je pense à Francis Fukuyama, hein, qui avait écrit La fin de l'histoire
et qui annonçait autre postulat que de toute façon, on était arrivé, l'humanité était arrivée à un stade terminal de son histoire, celui d'une démocratisation totale et d'une transparence totale dans les échanges, etc. Bref, les États-Unis avaient gagné parce qu'ils étaient les meilleurs. Il y avait une sorte de tautologie. Nous avons gagné parce que nous sommes les meilleurs. Bon. Et c'est vrai que pendant 10 ans, c'est-à-dire grosso modo de 91, dès lors où l'Union soviétique s'est effondrée jusqu'en 2001, bah, les Américains étaient confortés, évidemment, dans leur superbe. Hein. Tout allait très bien. La même année, en 91, qui est vraiment une année charnière de bascule, ils participent d'une manière absolument triomphale à la deuxième guerre du Golfe, hein, contre Saddam Hussein. Saddam Hussein est pulvérisé. Les Soviétiques, qui existent encore en tant que régime, sont mis devant le fait accompli. Les Chinois, on n'en parle même pas. En tout cas, ils écarquillent les yeux en se disant, voilà, on a un retard absolument abyssal dans le domaine militaro-technologique. Bon. Donc, pendant 10 ans, c'est formidable. Et les seules voix, d'ailleurs, qui s'élèvent, timidement d'ailleurs, ce sont les voix déjà chinoises, mais aussi française du côté occidental, celle d'un Jacques Chirac en particulier, qui dit « Attendez, le monde unipolaire, ça ne peut pas durer. Et nous, nous sommes pour la multipolarité. » Alors, pour les Américains les plus hardes, et les Républicains en particulier, c'est déjà une déclaration de guerre, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de multipolarité, on est les meilleurs, point, bon. D'ailleurs, l'ONU, ce machin, comme disait De Gaulle, ça sert à rien. La preuve, vous voyez, on a gagné contre les Soviétiques. Donc, vous n'avez pas à nous donner des leçons. Bon. Sauf que, bon, bah, évidemment, 10 ans plus tard, tu le sais, c'est le 11 septembre, quoi. C'est-à-dire que bah, c'est le boomerang, c'est l'effet boomerang. Hein, c'est-à-dire que la réelle politique s'invite et brutalement... aux États-Unis, et pour la première fois de son histoire, si on exclut évidemment la destruction de la flotte américaine à Pearl Harbor, les États-Unis sont touchés au cœur. Et les Twin Towers, rappelons-le, c'est quand même le symbole du capitalisme américain et du capitalisme international. Bon, bilan 3000 morts. Bon. Alors, c'est malheureux pour les 3000 morts, mais en même temps, en tant qu'historien, moi, j'y vois un épiphénomène. C'est pas un événement, en fait, ou c'est un non-événement des attentats du 11 septembre. Les Américains sont encore traumatisés par ce qui tient lieu pour eux d'événements, mais pour moi, ce n'est pas un événement. Le véritable événement a lieu quelques mois plus tard, en novembre-décembre 2001, et à l'époque, bon, on en parle un peu, mais c'est un peu à la marge, hein. On est encore, en Occident tout particulièrement, traumatisés par ce qui s'est passé à New York. Bon. Ce véritable événement dont je vais parler, c'est l'intégration de la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et les accords en vue de cette intégration sont signés à Doha, au Qatar. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi parce que bon, ça pourra faire l'objet d'une autre conférence, pourquoi pas, ou discussion, mais je prépare un livre pour l'automne prochain sur les rapports entre la Chine et le monde musulman. Et les rapports entre la Chine et le monde musulman sont des rapports déjà très anciens et hyper importants pour comprendre notamment les enjeux contemporains. Et la Chine entre par la grande porte de l'Organisation mondiale de commerce en ratifiant ces accords et en étant acceptée, y compris par les Américains du bout des lèvres, hein, il faut bien le dire, mais la Chine est quand même de fait acceptée. Et ça, c'est fondamental parce que la désindustrialisation qui avait commencé, comme on l'a dit, en amont dans tous les pays occidentaux, s'accélère à vitesse grand V à partir de 2001, précisément. Donc, il y a évidemment une relation causale, une relation de cause à effet entre la montée du populisme, en France notamment, je veux dire, l'effet Le Pen, bon, ben, ça commence dans les années 80, ça s'accélère dans les années 2000, c'est pas le fait du hasard. Et puis la réciproque, on l'oublie aussi, est assez rude pour la paysannerie chinoise, parce que celle-ci n'est pas compétitive comparée à l'agriculture française, par exemple.
Et donc, bon, ce changement de paradigme économique au niveau mondial va avoir des conséquences très, très importantes, véritablement structurelles. C'est-à-dire que la Chine endosse le statut de grande puissance économique à partir de 2001, de fait. Hein. Et donc, à partir de ces années-là, même si ça commence déjà un peu à la fin des années 90, la Chine entend également imposer des valeurs nouvelles. Donc, non seulement elle intègre pleinement les grandes instances internationales dont elle était déjà membre, hein, elle était membre, comme on a dit, du Conseil de sécurité de l'ONU, mais elle intègre d'autres organisations qui jouent un rôle évidemment crucial, et par là même, elle entend changer à la fois les normes internationales et imposer son propre discours, c'est-à-dire son propre vocabulaire, son interprétation toute personnelle et souvent très culturaliste, c'est-à-dire sino-centrée du droit international. Et donc le soft power à la chinoise va commencer à faire entendre parler de lui. Alors d'une manière justement assez marginale. Dans un premier temps, tenu aujourd'hui encore avec une très haute suspicion et pour cause par les pays occidentaux, où cette pénétration de la diplomatie culturelle chinoise est d'une manière générale assez peu convaincante, hein. Mais en revanche, dans des pays dits du Sud, tels que l'Afrique subsaharienne, ça marche plutôt bien, bien sûr, parce que on a là un contre-modèle au modèle occidental néolibéral. D'une dictature, encore une fois, parfaitement assumée, qui tente à vouloir donner l'illusion de parler au nom des plus pauvres du monde. Donc, évidemment, cela ne tombe pas toujours dans les oreilles de sourds, hein, ça c'est sûr. Et en réalité, cette notion de soft power, moi-même, je l'ai discuté dans le livre que tu as mentionné, Chine, une nouvelle puissance culturelle, point d'interrogation. Parce qu'en définitive, elle n'est pas du tout satisfaisante. C'est une notion, le soft power, qui, depuis Joseph Nye, a été reprise par tout le monde. C'est-à-dire que aussi bien une dictature comme la Russie ou que la Chine ou une démocratie moyenne comme la France font du soft power. Alors qui fait quoi à ce moment-là, c'est absolument confondant et on ne s'y retrouve plus. Hein. Et la France, d'ailleurs, est un exemple assez déroutant, je dirais, si on la compare, par exemple, à la Grande-Bretagne, parce que, et c'est pas, ça remonte pas seulement à la République française, hein, ça a toujours été, en tout cas depuis, au moins la monarchie des Valois, hein, c'est que toute initiative culturelle en France, en tout cas destinée notamment à l'étranger, émane le plus souvent de l'État. Voilà. La culture est une affaire régalienne. Voilà. Ça, c'est vraiment une tradition française. On le sait bien avec la création du ministère des Affaires culturelles par Malraux. Bon, voilà, c'est une étrangeté quelque part par rapport à tous les autres pays occidentaux. On regarde, par exemple, en Grande-Bretagne, tu n'as pas un ministère de la culture. Bon. Mais ça ne veut pas dire que les Grands-Bretons sont des gens incultes et qui n'arrivent pas à exporter leur culture. Bien au contraire, ils l'exportent même mieux que nous, et notamment sur le mode musical. Bon, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, cette notion de soft power, à un moment donné, ne devenait plus du tout satisfaisante, parce qu'encore une fois, on y perdait son latin, en quelque sorte. Hein. Et donc, eh bien, des élèves de Joseph Nye, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans de cela, on forgeait un nouveau terme que moi-même j'ai discuté dans ce petit livre, celui de sharp power, cette fois-ci pour définir toute initiative culturelle émanant précisément de pays dictatoriaux. Alors, concrètement, parce que on va se dire, et alors, so what, quelle est la différence in fine, on voit pas très bien, bon. Vous avez un groupe de rock en Chine, il y en a. Vous voulez vous produire en France, par exemple, ça va être très dur. Ça va être très dur parce que déjà, à l'ambassade de France, on va vous regarder étrangement en disant, mais pourquoi veulent-ils faire du rock chez nous, déjà, et des Chinois? Bon.
Mais ça va être encore plus dur parce que précisément l'État chinois ne le veut pas. Parce que les initiatives culturelles vis-à-vis de l'étranger tout particulièrement sont l'apanage quasi exclusif de l'État parti communiste chinois. Donc on n'est pas dans le soft, on est dans le sharp. C'est-à-dire donc des initiatives exclusivement réservées à l'État qui lui-même est kidnappé par le parti communiste. En fait, c'est là évidemment toute l'étrangeté et le charme, je dirais, de la Chine, c'est qu'on a affaire à une aristocratie rouge, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est un pays profondément aristocratique, hein, avec ses privilèges. C'est-à-dire que le parti communiste, il ne faut jamais l'oublier, après le BJP indien, est le deuxième plus grand parti politique au monde, avec ses 90 millions de membres. Mais à l'échelle de la Chine, première population mondiale, 1,4 milliard d'habitants, c'est une infime minorité de privilégiés, bien sûr. Mais c'est cette minorité, bien sûr, qui fait la pluie et le beau temps. Donc, eh bien, vous ne verrez jamais, ou alors vraiment, c'est une singularité, vous m'appelez pour me prévenir, parce que là, vraiment, je tomberai du placard. Vous ne verrez jamais une initiative individuelle chinoise se produire à l'étranger. C'est tout simplement impossible. Voyez? En revanche, ben, je sais pas, vous êtes auteur de bande dessinée, vous voulez montrer vos BD à New York ou à Hanoï. D'abord, l'État français s'en contrefout parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Et puis, libre à vous de promouvoir vos petites affaires, hein. En tout cas, a priori, l'État français ne se mettra pas, ne barrera pas votre chemin, quoi. Donc, c'est là la grande différence, justement, entre le soft et le sharp power, hein. Et le verbe américain to sharp signifie être abrasif, être intrusif. Et c'est précisément la caractéristique même, je dirais, de la Chine d'aujourd'hui, et pas seulement dans le domaine culturel. Un exemple que tu connais bien, c'est celui du crédit social, par exemple, qui est imposé à tout Chinois dès sa naissance, désormais. C'est-à-dire que tu nais avec à peu près 700 points. Et si, par malheur, en mangeant du chewing-gum, tu n'as pas traversé correctement dans les clous en brûlant de surcroît un feu rouge, eh bien, tu vas perdre 10 points. Alors, tu peux les rattraper, hein, par des travaux collectifs, etc., etc. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu t'énerves contre Xi Jinping, alors là, tu es plutôt mal. C'est-à-dire que tu vas perdre tes 700 points. Et si tu perds tes 700 points et que tu veux aller voir papa et maman dans le sud de la Chine en prenant le train, eh bien, l'ordinateur va dire, bah non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas réserver un train parce que vous êtes capé. Vous avez un nombre plus que limité de points et c'est impossible pour vous. Et ce qui est beaucoup plus grave encore, tu as une angine aujourd'hui en Chine. Il n'y a pratiquement pas de médecine privée. Ça, c'est un reliquat évidemment du système communiste. Donc, pour le moindre petit bobo, tu vas à l'hôpital. C'est pour ça que les hôpitaux, d'ailleurs, sont toujours encombrés, bien sûr, de toutes sortes de gens qui sont en péril et d'autres qui n'auraient rien à y faire, a priori. Bon. Mais donc, tu essaieras de franchir le seuil de l'hôpital et la première chose qu'on te demandera, c'est assez intéressant d'ailleurs. Aux États-Unis, on te demande d'abord ta carte bleue. En Chine, on te demande désormais ta carte, l'équivalent du QR code, de crédit social. Et si tu n'as pas suffisamment de points, eh bien, tu peux mourir d'une angine, c'est-à-dire qu'on ne te donnera pas les médicaments que tu attendrais normalement. Donc ça, c'est quand même assez problématique. C'est vraiment, on est vraiment dans le sharp. C'est-à-dire que, bon, ben, y a une sorte d'omerta, évidemment, collective qui se crée, c'est-à-dire que t'as pas vraiment intérêt à moufter, hein. Parce que sinon, non seulement tu vas en payer les conséquences, mais les gens de ton entourage aussi. C'est généralement assez bien fait, hein. C'est le bon système communiste, Ouais, j'avais vu une interview un peu glaçante d'ailleurs de hein. l'inventeur du crédit social qui disait bon le principal c'est que ça marche, qu'on fasse avancer les choses, les droits humains, on verra ça après quoi. Ah, Ouais. voilà. Bon. Heureusement, je pense qu'on est relativement vacciné par rapport à ce genre de choses, encore que on voit bien qu'en France, on a des gens qui seraient tout à fait prêts
à y souscrire, hein. Ça c'est évident, hein. Et précisément les enjeux du projet chinois des nouvelles routes de la soie, qui sont aussi les nouvelles routes de la soie du numérique, la fameuse 5G, Huawei, etc., c'est pas forcément, on a de plus en plus parmi les Occidentaux des États contre, hein, contre ce projet de coopération avec la Chine. C'est pas parce qu'on est fondamentalement anti-chinois, c'est pas là le problème. C'est parce que fondamentalement, nos données les plus intimes, hein, c'est-à-dire donc notre ADN, que sais-je encore, seraient stockées par un pays dictatorial. Alors tu me diras, ces données sont sans doute stockées par les Américains. Mais personnellement, et ça n'engage que moi en tant que citoyen, je préfère encore à ce jour que mes données soient quelque part sur un cloud américain qu'un cloud chinois. Voilà. Parce que, bon, alors ça paraît un peu abstrait quand on en parle aux gens, mais pour être très concret, si on apprend qu'à travers ton ADN, tu as des risques de cancer et que tu vas à la banque du coin pour demander un prêt, eh bien le banquier te dira, bah non, puisque vous allez avoir un cancer, donc je ne vais pas vous prêter de l'argent. Et ça, c'est quand même. Voilà, là, on entre vraiment dans le concret, hein. C'est plus des élucubrations politiques, je suis pour, je suis contre, etc. C'est du concret, c'est-à-dire, est-ce que l'on est prêt à souscrire à ce style de vie? Est-ce que le Chinese way of life, entre guillemets, et pour être trivial, c'est bandant? Eh bien, moi, je réponds non, carrément non. Voilà. Donc, voilà, il faut savoir aussi. Avec qui on a affaire, quoi. Hein, c'est-à-dire que, sans mauvais jeu de mots, aujourd'hui, on est là aussi à un carrefour, hein, de nos décisions et de nos destins. Hein, c'est-à-dire, soit on continue à coopérer avec la Chine dans des domaines qu'il faudra choisir et y regarder à deux fois, étant donné la nature de son régime politique, soit on collabore, et on sait dans l'histoire française comme chinoise, ce que le terme collaborer peut vouloir aussi signifier. Est-ce que le fait d'imposer comme ça son point de vue, ils le font aussi à travers la vision qu'ils ont de leur propre histoire finalement. Dernièrement, on a pu recevoir Arnaud Bertrand, que tu connais sur cette chaîne, et on a parlé ensemble notamment par exemple des expositions autour de Genghis Khan. Donc, autour même de l'histoire et de la manière dont ils transmettent cette histoire à l'international et dont ils imposent cette vision de l'histoire, ce sharp power, il se manifeste? Oui, absolument. Il se manifeste d'une manière de plus en plus agressive par une hypermnésie. Alors ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que on fait le choix à Pékin de privilégier certaines périodes de l'histoire qui restent des périodes d'humiliation pour la Chine et tout particulièrement le 19e siècle. Et dans notre documentaire sur le Palais d'été, la période des guerres de l'opium et du pillage du Palais d'été reste véritablement le point de cristallisation de toutes les humiliations vécues comme telles par la Chine d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est un choix. Je ne dis pas que cela n'a pas existé, hein. C'est tout à fait avéré d'un point de vue factuel. Mais c'est le fait de privilégier la mémoire sur l'histoire et d'une manière tout à fait délibérée sur le plan politique et en instrumentalisant précisément la mémoire et la mémoire nationale chinoise, c'est-à-dire en évitant de parler du reste. Et le reste, c'est ce que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est le mouvement des sans-fleurs, c'est le grand bond en avant, la révolution culturelle, Tiananmen, voire même la Covid. C'est-à-dire quand même 80 millions de morts, voilà, pour lesquels le Parti communiste chinois ne s'est jamais excusé. Donc évidemment, c'est la voie de la facilité, et on trouve justement un consensus à vouloir cristalliser les attentions nationalistes contre les Occidentaux, et d'une manière revancharde en disant nous allons faire payer aux Occidentaux les humiliations d'hier. Voilà. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que une nation qui n'est pas en mesure d'affronter son histoire et de pouvoir dépasser précisément cette histoire conflictuelle est une nation
qui est exposée au pire, hein. On le sait bien, hein. Il y a en exergue du Talmud un aphorisme que j'aime beaucoup, pour savoir où tu vas, sache d'où tu viens. Et précisément, ce qui est dramatique, tu interrogeras des jeunes Chinois qui ont 20 ans ou même un peu plus, ils ne savent rien, mais strictement rien, de leur histoire la plus récente. La plupart ne sait rien de Tiananmen, par exemple. On ne sait même pas que ça existait. La révolution culturelle, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que bon, bah, le pire peut de nouveau survenir, évidemment, en Chine. On a une population très, très facilement manipulable, en définitive. Alors, en même temps, bon, je suis optimiste de nature, je pense en fait que l'écrasante majorité de la population est parfaitement indifférente au discours de la propagande du parti. Bon. Mais les plus vindicatifs sont souvent les jeunes diplômés, les jeunes intellectuels, ceux qui sont assez enflammés, etc. Et ceux-là sont évidemment très dangereux parce que, en définitive, ce sont des gens sans mémoire ou qui privilégient certaines périodes de l'histoire de la Chine aux dépens d'autres périodes et dans le but, encore une fois, de se définir un ennemi. Et ça, c'est un jeu, on le sait bien, hyper dangereux. De ce point de vue-là, l'Europe est quand même assez vaccinée. On sait bien que le nationalisme, c'est la guerre. Et toi qui as travaillé en Chine, qui a cette expertise sur l'histoire de la Chine contemporaine et qui du coup a pu sans doute dialoguer avec des homologues chinois, est-ce que ça te Ça n'a pas posé des problèmes, justement, ce sharp power dans l'exercice de tes fonctions? Par exemple, tu as été invité à Taïwan. Est-ce que ça pose des problèmes ensuite pour travailler éventuellement avec les autorités chinoises? Alors, jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème. Je touche du bois et en même temps, si tu veux, moi j'ai 51 ans. Je vais pas me refaire et changer le fond de ma personnalité. Hein. Je veux dire, je reste droit dans mes bottes et les choix, je les assume, hein, sans jouer aux héros chevaleresques, etc. Mais je vais te rapporter une anecdote. Il y a des années de cela, il vivait encore, il est mort dans un accident assez curieux d'ailleurs. On a toujours pas élucidé cet accident. L'ancien ambassadeur de Chine à Paris, Wu Tianmin, mort sur une route de Wuhan il y a quelques années, un jour me prend par le bras lors d'un cocktail mondain et me dit « Ah, monsieur Linco, on dit que vous aimez beaucoup la Chine. » Et je lui avais rétorqué « Monsieur l'ambassadeur, j'aime tellement la Chine que je préfère qu'il y en ait deux. » Alors, je ne sais sur le coup s'il m'avait vraiment compris, mais je suis resté toujours sur cette ligne. Et bon, jusqu'à présent, ça ne m'a pas joué de tour. Et d'ailleurs, il faut savoir que lorsque tu vas à Taïwan, tu n'as pas besoin de visa. Donc, bon, c'est assez curieux, le statut de Taïwan, comme tu le sais. Bon, aux yeux des autorités françaises, ce n'est pas un pays souverain, hein, c'est une île renégate. Hein. Néanmoins, et c'est toute l'hypocrisie des relations internationales, nous avons bien sûr des relations officieuses avec Taïwan et réciproquement. Il y a un bureau de représentation taïwanais qui tient lieu d'ambassade rue de l'université près du Parlement à Paris et réciproquement un bureau de représentation français dans la tour 101 à Taipei. Tout le monde le sait. Bon, je pense pas que ça soit le problème fondamentalement, en tout cas jusqu'à présent, mais les choses pourraient naturellement changer et c'est ça aussi le danger, hein, que je ressens évidemment dans mon quotidien, hein. La Chine est mon quotidien, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a vu depuis maintenant ces deux, trois dernières années, alors souvent d'anciens ressortissants chinois de nationalité tantôt australienne, tantôt suédoise, mais il y a aussi parmi eux des occidentaux qui ont été littéralement pris en otage par les autorités chinoises. Et donc la diplomatie chinoise
pratique de plus en plus ce qu'a toujours fait par ailleurs la diplomatie iranienne, c'est-à-dire une diplomatie des otages. Et ça, évidemment, ça te fait réfléchir à deux fois. En tant qu'universitaire, évidemment, tu ne peux pas ne pas y penser, c'est clair. Bon, mais en même temps, je vais te dire, il va falloir se faire une raison parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la Chine est en train de se fermer sur elle-même, hein. Un peu comme à l'époque de Mao. Hein. Un exemple tout à fait caractéristique et effrayant, j'espère que les choses vont changer, mais c'est pas si sûr. Les autorités chinoises ont imposé à des ressortissants d'origine étrangère d'être vaccinés avec l'un des vaccins chinois pour venir en Chine. Tu vois, c'est une façon évidemment de dire bon, vous prenez vos distances. Et bon, finalement, on va peut-être revivre ce que nos aînés sinologues ont connu dans les années 50, 60, 70. Ça a duré quand même 30 ans. Hein. C'est-à-dire la quasi-impossibilité d'aller en Chine. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont intéressés aux diasporas chinoises, par exemple. Et alors là, en France, il y a de quoi faire. Hein. Et c'est du bonheur. Hein, parce que... Et c'est mal connu, justement. Il y a énormément de choses à faire chez nous. Et puis, c'est vrai aussi pour l'ex-Union soviétique. Hein. Pendant près de 80 ans, tu étais un spécialiste de la Russie, tu ne pouvais pas aller à Moscou. C'était le comble, quand même. Bon. Et qu'est-ce que tu as fait, comme tant d'autres? Tu as fait des traductions, tu t'es intéressé à la culture russe, comme tu peux t'intéresser à la culture chinoise, sans nécessairement aller en Chine. Alors, ça peut être un crève-cœur à terme, c'est évident, mais la différence entre... ce que l'on a pu connaître il y a un siècle ou moins même, et aujourd'hui, c'est que le monde est définitivement globalisé. C'est-à-dire que même s'il y a des retours, des relents de souveraineté, etc., les populations asiatiques qui sont en France, elles resteront en France. Et donc, il y a mille choses à faire avec les diasporas chinoises d'Europe, par exemple. Dans ce contrôle fric, on va dire, de la part de la Chine, quelle est la place des objets? Est-ce qu'il y a aussi un contrôle qui est exercé par la Chine sur les objets, leur patrimoine qui est exporté à travers le monde, et comment ils se manifestent? Et d'ailleurs, quel rapport ils ont aussi aux objets des autres pays et des autres cultures? Parce que je pense que ça en dit beaucoup aussi. Déjà, il y a une fascination sur le temps long, hein, dans l'histoire de l'art chinois, pour deux catégories d'objets. On a tout d'abord les bronzes, et puis ensuite tout ce qui relève de l'art du pinceau, alors que ce soit l'écriture ou la peinture. Et d'une manière traditionnelle, la critique d'art chinoise ne fait pas de distinction entre la calligraphie et la peinture, précisément. Donc, ce sont ces deux catégories d'objets qui sont considérés comme faisant partie, dans la hiérarchie des valeurs esthétiques, des objets les plus appréciables en termes de prestige social, notamment le fait de posséder ce type d'objet. Bien sûr, il y a une fascination pour les arts européens et ça commence très tôt avec l'épopée des jésuites dès le XVIIe siècle, avec des échanges culturels, intellectuels importants, des expérimentations, y compris dans le domaine esthétique. Hein. Mais je dirais que, c'est là toute la particularité aussi de la Chine en tant que civilisation, c'est un monde finalement qui se suffit largement à lui-même. Je ne dis pas qu'il est coupé du reste du monde, la preuve, et tu évoquais Arnaud Bertrand, notre ami qui est un grand archéologue et spécialiste justement de ces questions, surtout des routes de la soie de la période antique, hein, et bien malgré ses échanges avec l'Asie centrale ou l'Inde, finalement, la Chine a toujours réussi ce que n'importe quelle autre grande civilisation a réussi à faire sur le temps long, c'est-à-dire assimiler et transformer. Pour moi, la Chine, d'une manière métaphorique, c'est une sorte de ventre. C'est un ventre assimilateur, c'est absolument extraordinaire, qui a toujours réussi à siniser, donc à acculturer ses envahisseurs d'une manière récurrente. Donc les Mongols sont devenus chinois, les Mandchous sont devenus chinois, et tous, sans abandonner nécessairement leur langue ou leur écriture d'origine,
se sont mis à l'école de la Chine. Donc il y a comme ça une fascination, une sorte de trou noir dans la capacité d'assimiler les choses. Alors, partant d'hypernationalisme, c'est-à-dire le nôtre, le patrimoine, comme je le mentionne d'ailleurs dans ce dernier livre, Géopolitique du patrimoine, l'Asie d'Abu Dhabi au Japon, est un enjeu évidemment de pouvoir. Ça l'a toujours été, quelles que soient les sociétés, bien sûr. On parlait tout à l'heure de l'État régalien en France depuis la monarchie des Valois. Bon, je veux dire, les décorations des châteaux de la Loire par des artistes italiens invités par les rois de France, bon, c'en est l'illustration la plus parfaite. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de singularité chinoise. Sauf que, depuis la fin du XXe siècle, le patrimoine chinois, qui soit avait été pillé ou acheté à l'étranger ou par des étrangers, tend à devenir revendication sur le plan nationaliste quant à sa restitution. Et d'une manière tout à fait significative, chose unique au monde en l'occurrence, on a une section de l'armée populaire de libération, donc de l'armée communiste, hein, qui est en charge de racheter le patrimoine chinois auprès de maisons de vente aux enchères. Et cette chose que tu connais bien parce que toi tu bosses aussi pour une maison de vente aux enchères. Oui, en tant que chroniqueur pour la Gazette de Rouen. Hein. Ouais. Mais il est vrai que en temps normal, hors Covid, quand tu assistes à des ventes aux enchères chez de Rouen, et il y a des objets chinois en vente, il n'est pas rare de voir ou de savoir, à l'autre bout du fil, quand ce sont des agents, évidemment, qui opèrent, que ce sont des Chinois qui rachètent leur patrimoine, précisément. Alors ça, c'est très intéressant, et en même temps, c'est pas si singulier, parce qu'on a d'autres pays, par exemple l'Iran, qui s'y mettent aussi. Et quoi de plus naturel, quelque part. Mais avec quelque chose quand même d'assez singulier, c'est qu'au cœur de Pékin, tu as un musée qui appartient à une maison de vente aux enchères qui elle-même appartient en partie à l'armée populaire de libération, c'est le musée Poli, P-O-L-Y. Et quand tu vas dans ce musée, c'est tout à fait bluffant parce que tu as toutes sortes d'objets, des sculptures, des bronzes, etc., qui ont été rachetés par Poli, auprès des maisons de vente aux enchères de par le monde, alors essentiellement occidentales, pour les ramener triomphalement et sous la forme de trophées et pour les exposer auprès du public chinois, en disant en quelque sorte, voilà, ceci nous appartient, ceci nous revient. Et la grande affaire qu'on aborde d'ailleurs dans notre film, c'est l'affaire Berger-Saint-Laurent, qui eut lieu en 2008, quand la collection de Berger-Saint-Laurent a été vendu et que deux bronzes des têtes d'animaux du zodiaque de l'ancien palais d'été ont été rachetés initialement par un agent chinois et en fait il y a eu une sorte de manipulation faite à dessein pour alerter l'opinion des internautes chinois et faire en sorte que l'opinion chinoise prenne parti à ces débats et revendique en fait la restitution pure et simple de ces sculptures sans nécessairement devoir les racheter. Et ça, c'est quand même assez intéressant et symptomatique d'une montée en puissance justement du nationalisme, qu'il soit culturel ou pas. En tout cas, il participe justement d'une volonté de réécrire l'histoire et de s'imposer en tant que nation victorieuse, etc., etc. Finalement, la pratique de la Chine d'aujourd'hui n'est pas sans écho avec ce que les Européens ont pratiqué eux-mêmes à l'époque de la colonisation. Hein. Toutes les grandes puissances européennes, France, Allemagne, Grande-Bretagne, à la fin du XIXe siècle, ramenaient toutes sortes d'objets des cinq continents, et c'est à celui qui aurait les plus beaux objets. Et d'ailleurs, on construisait à la hâte toutes sortes de musées qui existent aujourd'hui encore, bien sûr, pour stocker et présenter ces objets comme justificatif, évidemment, de l'entreprise coloniale menée par les uns ou par les autres. Donc, ça, c'est quand même assez,
assez intéressant, il est vrai. Et ce qui n'est pas pour ne pas surprendre non plus, c'est de voir qu'il n'y a pas un musée d'art européen à Pékin ou un musée d'art africain à Pékin ou à Shanghai ou dans les grandes villes. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que effectivement, il y a là, à la différence justement de ce que l'on a connu avec l'histoire des colonisations européennes, il n'y a pas une volonté justement de s'ouvrir malgré tout à l'autre. C'est véritablement une démarche nationaliste qui fonctionne en circuit fermé, je dirais en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on exalte la Chine au nom de son patrimoine que l'on se réapproprie, mais certainement pas pour le comparer ou vouloir le, comment dirais-je, présenter un patrimoine, je ne sais pas moi, grec, romain. Ou africain, quel qu'il soit. Alors ça, c'est quand même assez symptomatique aussi de la période, hein. Alors, il y a Berarmi qui demande, vous évoquez un renfermement de la Chine, mais par rapport à qui? Ce constat ne dépend-il pas du référentiel que l'on a, puisqu'on parle des rapprochements entre Chine et Iran, collaboration avec la Russie, les pays des Balkans, ou les activités en Afrique? Oui, mais il a tout à fait raison, hein. C'est-à-dire vis-à-vis de l'Occident au sens le plus politique du mot, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis. Parce que sinon, d'un point de vue des relations diplomatiques, la grande affaire, en effet, c'est notamment le rapprochement entre la Chine et l'Iran. Et c'est un exemple parmi d'autres, hein. Sauf qu'on ne peut pas dire, et évidemment là, on retrouve des affinités idéologiques, hein, entre chacun de ces régimes. On ne peut pas dire que l'Iran soit un régime très libéral d'un point de vue politique, hein, c'est clair. Et donc, s'il y a rapprochement, c'est parce qu'il y a des affinités idéologiques, y compris avec la Russie. Donc, la configuration du monde, sans être un grand prophète, tend effectivement à un rapprochement entre toutes les dictatures d'un côté et les démocraties qui toujours ont été en minorité de l'autre. Tu nous parlais du fait que tout à l'heure, ce qui pourrait être intéressant pour les sinologues contemporains, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est de s'intéresser à la diaspora. Il y a Arcaran qui nous demande s'il y a un conflit culturel, par exemple avec sa famille restée en Chine, quand un jeune Chinois sortant de la Chine pour des études, par exemple, se confronte à une histoire de la Chine non censurée, peut-être. Alors, moi, ce qui me stupéfait d'une manière générale, c'est que j'ai pu constater, et ça fait déjà près de 20 ans que j'enseigne sur la Chine, hein, j'ai eu souvent des étudiants chinois venus de Chine assistant à mes cours. Et souvent d'ailleurs des Taïwanais, plus des Taïwanais que des continentaux. Mais j'ai eu quand même des continentaux aussi. Et alors, on avait toutes sortes de scénarios. Soit il y avait une opposition frontale, c'est-à-dire que c'était assez révélateur, justement, un peu comme si on découvrait l'inéluctable, en quelque sorte, c'est-à-dire je découvre par la bouche d'un orateur étranger ma propre histoire, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale, hein? C'est un peu ça. Ou bien le déni absolu, c'est-à-dire non, ce que vous dites, c'est absolument impossible, c'est du révisionnisme, etc. Et d'une manière générale, l'attitude qui prévaut est une attitude de non remise en cause. C'est ça qui est assez navrant, et on le voit d'ailleurs politiquement, hein, c'est-à-dire que là encore, le grand postulat qu'on évoquait tout à l'heure, selon lequel l'éducation, la confrontation à l'Occident allait par nécessité changer les mentalités chinoises dans un sens d'une démocratisation, eh bien non. C'est-à-dire que même les intellectuels chinois qui ont été formés à l'Occident, et ce sont des générations et des générations, n'ont pas changé, absolument pas. C'est-à-dire que il y a là un échec, évidemment, de ce que l'on croyait être un modèle occidental, hein. Ça, c'est absolument évident. Mais je pense qu'on pourrait le dire, là encore, de n'importe quel autre pays. Vous voyez, par exemple, l'Iran, on évoquait l'Iran tout à l'heure, bah, c'est du pareil au même, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des intellectuels iraniens qui ont été formés à Paris ou à Londres qu'ils deviennent de parfaits démocrates, hein.
Pas du tout. Au contraire, même, je dirais que c'est souvent l'effet contraire escompté. Là aussi, il faut sans doute se remettre en cause. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pris mon parti. C'est-à-dire que, un, on ne changera sans doute pas la nature humaine, d'une part. Et d'autre part, alors c'est peut-être totalement contre-productif par rapport à la soirée de ce soir, mais je suis absolument convaincu que l'histoire ne sert à rien. Ça, alors là, dites-le-vous bien, les leçons de l'histoire, comme on dit, ne sont jamais assimilées. La preuve, c'est que l'histoire dure toujours. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien. Écoute, c'est bien, tu as un avis un peu différent de pas mal de gens qu'on a reçus ici, donc c'est vrai. Mais c'est pas, c'est alors justement, quand tu dis l'histoire ne sert à rien, c'est pas un peu désespérant pour toi? Oh non, non, parce que bon, il en reste malgré tout quelque chose. C'est-à-dire que l'histoire programme, comme on nous l'a enseigné, hein, longtemps. Hein, bon, on va pas revenir à l'historiographie française, mais l'histoire progressiste, hein, c'est-à-dire donc. On démarre d'un point A et on va vers un point Z. Tout cela, à mon avis, c'est complètement dénoncé par la réalité du quotidien. Donc, de ce point de vue-là, non, je pense qu'il n'y a rien à espérer, effectivement, d'un changement progressiste par l'histoire. En revanche, je crois davantage à une approche très pragmatique, c'est-à-dire par tâtonnement. Alors certainement pas par une vaste échelle, hein, l'éducation nationale par exemple, moi j'en suis assez vacciné, je ne crois pas du tout au bien fondé des grands programmes et des grands discours, des méta-récits nationaux précisément, parce que de toute façon les individualités passent toujours à travers, hein, c'est-à-dire que bon certes, je me sens fondamentalement français, mais je me sens aussi tout à fait breton, hein, et j'ai pas honte de le dire, quoi. Donc quelque part, ces grands récits-là, en tout cas dans notre société, ça marche plus. On le voit bien, les gens sont passés à autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est en l'occurrence une preuve de progrès par rapport à ce que vivent les Chinois. C'est même incomparable. C'est précisément une histoire différente. Mais je crois bien davantage justement à des approches inter-individuelles, justement dans l'échange d'une expérience, si tant est qu'une expérience peut être réellement partagée. C'est très difficile de dire, par exemple, une expérience qu'on a eue de quasiment 5 ans de séjour en Chine. Moi, je me souviens encore, à la fin des années 90, les rares fois quand je rentrais en France, bon, j'avais l'impression non seulement d'être déconnecté par rapport à la société française, mais de voir que la France, déjà la France de Chirac, hein, allait très mal. Hein. C'est-à-dire que quand vous débarquez, et c'est toujours le cas, un dimanche après-midi à l'aéroport de Roissy, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un pays en panne, tout est fermé, les gens ne travaillent pas. Alors évidemment, vous venez de Chine. Forcément, vous vous posez ce genre de questions. Hein. En Chine, ça pulse nuit et jour, quoi. On est 24 heures sur 24 sur le pont. Et quand on vous parle en France et quand vous avez 20 ans des RTT, de la retraite qu'il va falloir préparer, etc., je suis désolé, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et votre récit national, il n'est pas pour moi, quoi. Vous voyez? Votre programme national, il n'est pas pour moi. Voilà. Donc, je crois davantage, en fait, aux expériences humaines. Mais à échelle humaine précisément. Si un historien peut partager auprès de quelques personnes sa propre expérience, son propre regard sur l'histoire, sur une histoire, ça sera déjà pas mal. Mais encore une fois, l'histoire programme, ça ne sert à rien. Bah écoute, au moins ce soir, on aura quelques milliers de personnes qui auront pu assister à ton histoire. On a Gasp qui nous demande quelles sont les réactions des Chinois actuellement vis-à-vis de Mao et du maoïsme en général.
Alors ça, c'est très intéressant, très symptomatique justement d'un grand oubli en Chine de l'authenticité historique, c'est-à-dire que on a conservé de Mao Zedong la geste, l'héroïsme, le Superman, c'est véritablement cela, alors que c'est l'un des tyrans sanguinaires les plus épouvantables du XXe siècle. Et donc, au moins son successeur, Deng Xiaoping, dont on a parlé tout à l'heure, au sortir de la révolution culturelle, établissait un bilan officiel au nom du Parti communiste chinois. Il disait grosso modo, allez, c'est 50-50 de bien et de mal. Bon. Aujourd'hui, en tout cas pour Xi Jinping, il ne fait aucun doute que le bilan des années Mao est absolument positif. C'est-à-dire qu'on se pose même plus de questions, justement, sur les déviances idéologiques du régime. Donc c'est assez dramatique et encore une fois, cela illustre parfaitement le fait que l'histoire ne sert à rien puisque bon, bah, les gens de toute façon sont oublieux de nature. Hein. Il y a une chose moi qui m'a beaucoup frappé, qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'étais très idéaliste quand je suis parti pour la première fois en Chine à l'âge de 25 ans. Où j'ai fait ma coopération, c'était de lire justement ce grand sinologue qui était Simon Leys. Hein. Et Simon Leys disait, en exergue de l'un de ses livres, penser, c'est oublier. Et ça, alors, c'est moi qui étais encombré de toutes sortes d'idées, toutes faites, etc. la Chine et la lecture de Simon Leys, ça a été l'expérience du vide. Ça fait du bien aussi hein, de purger son disque dur. Le problème, c'est que la Chine le fait d'une manière assez récurrente à travers son histoire, quoi. Et bon, à un moment donné, il faut rétablir quand même les filiations. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions non plus entre le discours officiel, les pratiques et les croyances, forcément officieuses, il y a un monde. Précisément dans le monde de ce soir, alors vous pourrez le retrouver, vous avez un long article étonnant sur les pèlerinages taoïstes au mont Taishan dans la province du Shandong. Et le Taishan est l'une des cinq montagnes sacrées et ce pèlerinage, comme bien d'autres, a été interdit par le Parti communiste chinois qui craint des débordements. Qui, au nom justement de l'athéisme, de la rationalité scientifique, etc., proscrit ce genre de rassemblement, eh bien, des centaines de milliers de Chinois, au moment où je vous parle, sont sur le mont Taishan en train de célébrer les dieux taoïstes. Bon, ça veut dire que bah, là aussi, hein, l'histoire ne sert à rien, c'est-à-dire que bon, bah, les gens continuent à vivre leur histoire, l'histoire de leur famille, l'histoire de leurs ancêtres. Donc en fait, vous avez plusieurs strates dans le discours et l'appréciation historique des choses. Vous avez un discours convenu, celui qu'on ligne le premier, qui est celui de la propagande. Mais ensuite, quand vous vous intéressez justement au quotidien, aux croyances des gens, etc., vous voyez que les choses sont infiniment plus complexes, bien sûr. Il y a la grande histoire, le grand discours officiel. Et puis l'histoire des petits riens aussi qui font le tout. On a Stiofan, qui nous dit la néocolonisation chinoise après s'être implémentée en Afrique s'étend-elle en Europe? Et d'ailleurs, on avait une autre question qui disait ah, j'ai appris il y a quelques années que beaucoup de Chinois ont racheté nos vignes en France. N'a-t-on pas peur de perdre justement ce patrimoine-là qui est notre propre culture? Nos vignes ou nos villes? Nos vignes pour le pinard. Alors, oui, le néocolonialisme, on comprend fondamentalement ce que cela peut signifier, mais là aussi les choses ont changé. C'est-à-dire que, pour être cynique, planter un drapeau et dire cette terre-là est à nous, ça coûte très cher. Je fais preuve de contradiction parce que les Chinois le font notamment dans le sud de la mer de Chine en s'imposant sur des îlots que revendiquent dans le même temps les Vietnamiens et d'autres voisins du sud de la mer de Chine. Bon. Mais par exemple, coloniser des pays africains comme l'ont fait autrefois les Français ou les Britanniques,
C'est nul et non avenu parce que tout simplement, ça coûte trop cher financièrement. Et puis, c'est contre-productif d'un point de vue politique, tout simplement. Donc, néocolonialisme, oui, on comprend. La Chine pourrait effectivement en prendre le chemin, notamment par l'installation d'une base militaire que vous savez à Djibouti, hein, qui d'ailleurs n'est plus la seule base militaire chinoise située à l'étranger, parce que la presse occidentale est focalisée sur cette base-là. Vous en avez déjà une deuxième qui se trouve au Tadjikistan, et il y en aura sans doute beaucoup d'autres par la suite. Mais peut-on qualifier véritablement la posture chinoise de néocolonialisme, qui signifierait donc emprise sur le territoire et imposition justement d'un modèle social et politique, emprise économique sans doute oui par la captation des richesses, hein, des ressources minières, etc. Pour l'Afrique, c'est tout à fait clair, mais imposition d'un modèle, j'en suis même pas sûr. Vous voyez je suis pas sûr que ça. Justement, la différence entre la Chine, son sharp power, et ce qu'est la France encore dans son reliquat post-colonial, c'est que d'un côté, vous n'avez pas du tout de messianisme chinois. Enfin, je veux dire, la Chine s'impose hégémoniquement par sa puissance économique et elle est de fait, elle est là, quoi. Mais elle n'a pas un discours programmé justement que d'annoncer une velléité de s'établir dans des territoires étrangers, alors que la France croit encore par son modèle républicain à des formes de messianisme précisément. Nous allons changer le monde, le français est la langue de la révolution, etc. Enfin, de ce point de vue-là, on n'a pas changé le logiciel, hein, et bon, justement, il serait bon de se questionner pour savoir si celui-ci est performant, et à mon avis, il ne l'est pas, parce que précisément, alors on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais je vois par rapport à la Chine, autant juste qu'en 1989, avec Tiananmen, toute une partie de l'intelligentsia chinoise pensait encore à la possibilité d'une forme de socialisme réformé à visage humain, comme on disait dans le contexte hongrois quelques années plus tôt. Et il ne faut pas oublier que la France restait encore le modèle absolu. Hein. On entonnait la Marseillaise ainsi que l'internationale sur la place Tiananmen en mai-juin 89. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Bon, c'était aussi le bicentenaire de la Révolution française, etc. Mais il y avait vraiment une association idéalisée de la France à un message messianique que bien des peuples, évidemment, partageaient, y compris la Chine. Et après 1989, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que l'Europe n'est plus du tout dans le champ de vision de l'intelligentsia chinoise, et l'intelligentsia chinoise, à ce moment-là, cherche des compromis avec le pouvoir, ne cherche plus du tout à le réformer, à le changer même. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est différent. Et l'autre question par rapport au renfermement de la Chine, et je me souviens plus du reste. C'était sur le patrimoine français, qui est le pinard qui se fait racheter. Ah oui, oui non mais c'est une bonne question et elle est cruciale évidemment. Bah, je vous dirais de ce point de vue-là que la Terre, vous pouvez pas l'emporter. Hein. Donc, au contraire des pierres justement. Que les Chinois investissent chez nous de ce point de vue-là. Bon, alors évidemment, il peut y avoir aussi captation des richesses viticoles, mais les terres en tant que telles restent associées évidemment au terroir. Hein. Matériellement, vous pouvez pas les enlever. Ce qui est intéressant et moins connu, alors. Justement, il faudrait à chaque fois nuancer, travailler, etc. Mais par exemple, j'ai appris assez récemment que Moët Hennessy, pour la marque de champagne que vous savez, investissait massivement dans la province du Yunnan, près du Vietnam. Alors la première cuvée n'est pas encore née, mais ça ne saurait tarder, semble-t-il. Et Rothschild a investi massivement dans la viticulture au Shandong pour du vin rouge. Donc voilà, il faut relativiser de ce point de vue-là. Non, non, ils n'auront pas notre pinard.
J'ai encore deux, trois petites questions avant de. Tu as encore 10 minutes à m'accorder Oui, ou... bien sûr, Ouais. bien sûr. Encore deux, trois petites questions. Il y a Nomaterman qui nous demande, même si c'est un petit pas trop dans le sujet, mais la situation du Tibet. On avait l'impression qu'on en parlait beaucoup dans les années 80-90, mais qu'aujourd'hui on en parle pratiquement plus. C'est quoi la situation du Tibet actuelle, vis-à-vis de la Chine? Alors, c'est une situation assez dramatique et effectivement, elle est le plus souvent occultée par le drame également que connaissent les Ouïghours voisins dans la province du Xinjiang. Mais elle est tout aussi dramatique, c'est-à-dire répression systématique en matière des droits de l'homme, imposition de plus en plus de la langue chinoise aux dépens du tibétain. Donc c'est une situation assez comparable en définitive. Le paradoxe, et là aussi c'est, je dirais, l'incohérence et le cynisme des relations internationales, c'est de voir que le Tibet semble avoir été abandonné, en tout cas n'est plus du tout à l'agenda des puissances occidentales. En revanche, l'on soutient, dans le but clairement d'instrumentaliser cette cause, on soutient en Occident les Ouïghours, donc cette minorité musulmane turcophone du nord-ouest de la Chine, alors que dans le même temps, les puissances occidentales bombardent d'autres populations musulmanes au Moyen-Orient et ne soutiennent en rien, par exemple, les chrétiens ou les Tibétains qui, en Chine, sont quotidiennement persécutés. Donc il y a là des incohérences tout à fait réelles. Le Tibet, pour venir justement à cette province, on ne peut pas parler évidemment de pays, hein, est quand même un enjeu extrêmement important d'un point de vue hydrique, notamment, dans la rivalité de plus en plus systématique qui oppose la Chine à l'Inde, précisément. C'est évidemment la région tampon, par où, se sont affrontés déjà à plusieurs reprises les Indiens et les Chinois. Il y a des projets pharaoniques de réaménagement du territoire sur un mode stalinien par les Chinois en détournant des fleuves du Tibet et certains glaciers pour alimenter en eau la province du Xinjiang. Et il ne faut pas oublier que le Tibet est le château d'eau de toute l'Asie, c'est-à-dire tous les fleuves prennent leur source, ou presque, au Tibet. C'est le cas du Brahmapoutre, du fleuve jaune, du fleuve bleu, du fleuve rouge, du Mékong, etc. C'est une région sacrée. Mais de toute façon, le Tibet va forcément faire entendre parler de lui lorsque l'actuel 14e Dalai Lama, qui est un homme vieillissant, hein, il a plus de 80 ans aujourd'hui, va mourir. Et donc va se poser forcément le problème de sa succession. Et de toute évidence, bien sûr, les Indiens, sans être un grand prophète, vont essayer d'instrumentaliser le successeur du Dalai Lama, de même du côté chinois, chacun ayant désigné un successeur qui n'est évidemment pas le même. La Chine vient d'annoncer que, ils autorisaient un troisième enfant par famille, ça t'évoque quoi? Là aussi, l'histoire ne sert à rien, décidément. C'est-à-dire que bon, les Chinois ne sont pas dupes justement par rapport à cette volonté de relancer la démographie. Il faut rappeler que dans un premier temps, Mao Zedong avait été pro-nataliste. Pourquoi? Parce que là encore, comme tous les dirigeants communistes d'alors, je pense à la Roumanie aussi de Ceaușescu, il fallait faire le plus grand nombre d'enfants pour résister le jour venu à la lutte finale contre le camp occidental. Hein, donc c'était vraiment ça l'objectif, la grande utopie. Donc on a fait beaucoup d'enfants et le résultat, ben, on le connaît, hein, le premier recensement démographique de la Chine, c'est le début des années 60, 600 millions de Chinois, et aujourd'hui on est à 1 milliard 400 millions d'individus. Donc c'est absolument alarmant. Et donc c'est la raison pour laquelle le successeur de Mao Zedong, comme tu le sais, Deng Xiaoping, a appliqué cette politique de l'enfant unique. Donc revirement. Et puis, quand on a constaté que la population vieillissait drastiquement, bah évidemment, la société s'est posé ce problème, qui est un problème déjà de société développée, mais avec encore une problématique d'un pays du tiers-monde.
savoir que on a une population qui vieillit et on n'a pas les moyens de payer des retraites. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, à partir de 2015, ça a commencé à Shanghai, qui souvent dans tous les domaines est la ville pilote. On a donné du lest pour autoriser un deuxième enfant, et aujourd'hui, on en est au troisième. Sauf que les Chinois commencent à dire, attendez, vous n'allez pas nous prendre pour des cons, quoi. Ça fait 70 ans qu'on fait le yo-yo, quoi. Donc terminé, quoi. Et ça marchera pas parce que de toute façon, ben, la Chine connaît finalement une tendance naturelle de toutes les sociétés, c'est-à-dire qu'on tend de plus en plus vers une famille nucléaire et de plus en plus aussi vers des familles sans enfants, c'est-à-dire qu'on n'en veut pas. Et pour cause, c'est-à-dire que l'avenir est improbable, très incertain. La vie en Chine coûte de plus en plus cher. Il y a un problème dramatique de logement, d'accès au logement. Quand vous êtes propriétaire d'un bien, de toute façon, au bout de 99 ans, ce n'est plus le vôtre. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, faire des enfants, c'est quand même compliqué. Donc, la Chine va être confrontée sans doute à un problème inédit. On lui souhaite bien du courage, celui de l'immigration. Et alors l'immigration, je veux dire, c'est il n'y a pas photo, hein, il y a deux réservoirs, trois réservoirs, soit l'Inde, mais a priori on n'en prendra pas le chemin vu les relations de plus en plus conflictuelles, soit des populations musulmanes, Pakistan et Indonésie. Et ça, est-ce que la Chine y est prête? Je ne suis pas sûr. On a une question aussi sur justement le virage écologique ou non que pourrait prendre la Chine. Quelle est la préoccupation de la Chine vis-à-vis de ça? Alors, il y a une préoccupation réelle qui a commencé à se manifester à la fin des années 90, quand on a commencé en haut lieu à parler de barrières vertes pour planter notamment des arbres pour juguler la progression du désert de Gobi, suite aux erreurs et aux errements idéologiques de Mao Zedong lui-même, hein, rappelons-le. Et puis, des mesures plus drastiques ont été prises, il est vrai, depuis 2012, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Mais avec des difficultés sans nom, et on sait bien par ailleurs que la Chine a ratifié la COP21 pour décarboniser à terme son économie. Mais des difficultés très réelles, encore une fois, parce que, un, on a un pays qui est le premier producteur de charbon au monde et qui n'entend pas y renoncer a priori avant très très longtemps, parce que bon, bah, le charbon, en plus de ça, son exploitation est assez aisée, c'est-à-dire que ce sont des exploitations de mines à ciel ouvert. Il y en a partout, ce qui n'est pas le cas de toutes les énergies fossiles en Chine. Je pense en particulier au pétrole qui, lui, est produit nationalement, mais il est produit souvent dans les régions les plus périphériques, comme le Xinjiang ou bien à la frontière de la Sibérie. Bref, il y a ce qui s'impose comme en Russie, une sorte de tyrannie de la géographie. C'est-à-dire que on a des ressources qui sont loin des points de consommation. Et donc tout cela, ça coûte cher en termes de transport, etc., etc. Bon, donc on a pensé à toutes sortes de solutions, liquéfaction notamment du charbon pour en faciliter l'écoulement, etc. Et finalement, à la fin des années 90-2000, on a commencé à tabler sur bah, ces fameuses énergies dites vertes, hein, donc l'éolien, le photovoltaïque. Surtout le nucléaire d'ailleurs, hein. Donc la Chine désormais accède à un parc de centrales équivalent à celui de la France, à peu près 40 centrales, et il y en aura sans doute dans l'avenir beaucoup plus. Elle fabrique, on le sait, ses propres centrales désormais. Elle en exporte aussi dans le reste du monde, hein. Et donc là, on voit aussi l'extraordinaire franchissement d'un seuil qualitatif, hein, en matière de savoir-faire. Mais tout cela ne suffit pas, évidemment, c'est-à-dire que la Chine est absolument énergivore. C'est un véritable monstre, quoi.
C'est la croissance à deux chiffres dont je parlais tout à l'heure, qui a duré quand même pendant près de 30 ans. Ça a fait du mal à toute la planète, évidemment. C'est-à-dire qu'on pompe les ressources de la planète et il y a des dommages collatéraux. Bon, en termes de pollution, c'est entendu, mais on en parle moins aussi en termes politiques. Par exemple, les printemps arabes, alors ça, c'est la grande tarte à la crème d'un Gilles Kepel, par exemple, qui vous dira, les gens voulaient la démocratie, etc., etc. Oui, on est d'accord. Mais il faut jamais oublier que les révolutions, c'est d'abord des affaires de ventre, hein. Les gens ont faim. C'est pas d'abord des idées. Ça vient généralement après ou en même temps, mais c'est souvent qu'on a faim d'abord. Et il faut jamais oublier que le prix des céréales et de la farine dans le monde arabe en 2011 a littéralement flambé. Parce que justement, la consommation chinoise tirait les prix vers le haut. Et donc, qui a morflé, qui en a subi les conséquences, ce sont les Arabes, d'où les révolutions, d'où les printemps arabes. Ça, on le dit trop peu, justement, mais il y a une conséquence, évidemment, indirecte, hein, à cela. Bon. Et pour venir au problème de pollution, ce sont des problèmes absolument dramatiques. On le sait statistiquement, il y a eu une explosion en Chine de cancer, de trachéite. Moi qui ai vécu donc plusieurs années en Chine et qui suis retourné régulièrement, même si les choses ont un peu changé, je me souviens par exemple au début des années 2000, quand tu étais à Pékin, tu ne voyais pas à 3 mètres. Et je ne plaisante pas, hein. La conurbation était dans un smog permanent. Et c'était absolument dramatique, hein. Et donc, c'est un problème évidemment de santé publique. Et d'ailleurs, au début de son mandat présidentiel, Xi Jinping, encore populaire sur les réseaux sociaux, avait fait diffuser une vidéo le montrant avec un masque avant la Covid, circulant dans les quartiers populaires de Pékin. Et compatissant évidemment avec la population, oui, c'est terrible, ce smog, etc., etc. Bon, que voulais-je dire par rapport à cela? C'est un problème absolument dramatique, c'est-à-dire que toutes les nappes phréatiques ou presque du pays sont polluées, les sols sont pourris au mercure et au plomb. Enfin, c'est absolument dramatique. Et cela rejoint aussi la problématique que je mentionnais tout à l'heure de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que les Chinois préfèrent, et de loin, consommer, par exemple, français, quitte à payer plus cher, mais payer sécure, plutôt que de consommer chinois, parce que ça devient dangereux, quoi. Il y a eu toutes sortes de problèmes, d'ailleurs, par rapport à la pollution, justement, et dans le domaine alimentaire. Bon, bref, il y avait péril en la demeure. Et la Chine semble avoir pris des mesures drastiques, donc en pénalisant les usines les plus polluantes, etc., etc. Mais en même temps, on s'en est rendu compte il y a quelques mois, lorsque le Premier ministre a fait un discours assez laconique à l'Assemblée nationale populaire pour nous dire que, et pour la première fois de son histoire depuis plus de 40 ans, il n'y avait pas de pronostic sur la croissance. Donc déjà, là, c'est un signal fort. Et que de dire de surcroît que la décarbonisation de l'économie chinoise, ça serait pas avant 2060. Donc, on dénonce déjà ce qui avait été dit à la COP21, hein, c'est-à-dire que l'échéance est repoussée. Et pour cause, la Chine est encore une fois très dépendante du monde extérieur. Et avec les restrictions imposées par les États-Unis, on se rend bien compte justement que ce pari de la décarbonisation va être quelque chose de difficile à mener. Alors, autant les efforts sont réels, autant moi, ce que je constate, et d'une manière absolument navrée, c'est que la Chine, là encore, tient un double discours en définitive. C'est-à-dire que, oui, elle lutte contre le réchauffement climatique chez elle, mais elle n'hésite pas, évidemment, à soutenir des entreprises qui, toutes, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à l'État, qui participent au déboisement du Cambodge, de l'Indonésie, ou qui conduit ses navires de pêche au large du Sénégal, où on fait sauter à la dynamite des bancs de poissons pour les ramener en quelques jours en Chine.
Bon, voilà, quoi, on se dit, attendez, là, il y a une schizophrénie, quoi. Il faut être quand même clair, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment un problème parce que se pose in fine la question de la confiance, quoi. On ne peut pas faire confiance, justement, en un régime qui ne tient pas, justement, ses engagements. Tout à l'heure, tu nous as confié être d'un naturel optimiste. Alors du coup, ma question pour finir, c'est vis-à-vis de la Chine, t'es plutôt optimiste ou pas? Alors, vis-à-vis du régime, non, je ne suis pas du tout optimiste. Maintenant, je ne vais pas jouer comme le faisait Jean-Luc Domenac, hein, l'un de nos aïeux sinologues, en annonçant tous les 3-4 matins que le régime allait péricliter. Je me garderai bien de le faire. Il a bien montré sa résilience, justement, et il est populaire, ce régime. On a du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'un régime communiste ne tient pas que par la seule terreur. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion populaire. Le communisme est une religion civile. Et c'est une religion de croyants qui a ses croyants et ses croyances. Bon. Donc ça, bon, je suis pessimiste par rapport au régime, mais par contre, alors ça, de ce point de vue-là, je suis assez gaullien, dans le sens où je considère que les régimes passent, mais les pays restent. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse, ce sont les pays et pas les régimes. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour conclure ce live? Eh bien, écoute, en tout cas, merci infiniment à toi. J'espère que ça permettra aux gens de réfléchir. Maintenant, on a bien retenu la leçon. L'histoire, ça ne sert à Vous avez le point de vue d'Emmanuel rien. là-dessus. Voilà. Et lisez mes livres Achetez-les! particulier. Voilà, on le rappelle, Chine, une nouvelle puissance culturelle, soft power et sharp power en 2019 chez MKF Éditions ou Géopolitique du patrimoine, l'Asie d'Abu Dhabi au Japon. Encore merci à toi, Emmanuel, de nous avoir accompagnés ce soir. Merci. Passez tous une très bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Merci.